Alors avant toute chose, cette conférence, c'est une conférence que j'ai déjà faite. La dernière fois, c'était en 2015, dans un autre contexte, un contexte où bien sûr il n'y avait pas le Covid, on n'en avait pas entendu parler, et j'avais bien sûr pas ce titre à l'époque. Hein, le en passant par le Covid a été bien sûr le Covid-19 a été rajouté, vous vous en doutez. On avait très peu de gens qui connaissaient l'épidémiologie. À l'heure actuelle, je pense que, sauf à avoir vécu dans une grotte depuis mars 2020, je pense qu'il y a tout un tas de termes que je vais définir que vous connaissez déjà très bien. L'idée de prévalence ou d'incidence d'une maladie. Bon, je redéfinirai quand même les termes pour qu'on soit d'accord ensemble, mais je pense que ça ira beaucoup plus vite. Alors, l'idée, c'est bien sûr de ne pas faire. Enfin, ce n'est pas une conférence sur le Covid, hein, clairement. Hein, elle s'intitule Des grandes pestes à la vache folle. Ou aux grippes en passant par la Covid-19, un aperçu de la médecine vétérinaire des origines à nos jours. On voit que c'est beaucoup plus large. Je terminerai par le Covid, mais surtout pour avoir une idée de ce que l'histoire de la médecine d'une façon générale et l'histoire de la médecine vétérinaire en particulier peut nous enseigner sur une nouvelle maladie pour laquelle on a peu de recul. Voir un petit peu quel type de maladie pourrait s'en rapprocher. On verra que ce n'est pas forcément les maladies à coronavirus qu'on connaît qui sont les meilleures candidates pour répondre à ça, parce que ne serait-ce que le MERS ou le SARS qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça se sont arrêtés et ont eu une belle courbe en cloche telle qu'on les décrit dans les maladies à virus classiques. Donc ce n'est pas forcément le modèle le meilleur, alors que ce sont des coronavirus. Donc l'idée un petit peu, c'est de prendre du recul, un bon recul, sur l'histoire des maladies des animaux et de l'homme. Alors je tiens à dire tout de suite que donc je suis enseignant à l'école vétérinaire de Nantes. De formation, je suis bien sûr docteur vétérinaire, mais je suis responsable d'une unité qui est l'unité d'anatomie comparée. Et l'histoire de la médecine vétérinaire m'intéresse depuis très longtemps en tant qu'archéozoologue, puisque j'interviens dans des cours d'archéozoologie. Et l'archéozoologie, c'est l'histoire, enfin, c'est la discipline qui traite des relations entre l'homme et l'animal dans le passé. Hein, donc vous voyez qu'à ce titre-là, c'est pour ça que j'avais proposé ce type de conférence. Mais je ne suis pas épidémiologiste, je tiens à le souligner, parce que je sais que dans les gens qui sont de l'autre côté de l'écran, là, il y a certainement des collègues épidémiologistes. Alors, si il y a quelques raccourcis qui sont faits, qui veulent bien m'en excuser. Mais en tant que vétérinaire, je pense que j'ai toute légitimité à traiter de ce sujet. Alors, je le ferai en deux temps. Tout d'abord, je vous présenterai l'histoire de la médecine vétérinaire. Alors, on va dire principalement depuis la création des écoles vétérinaires, mais je remonterai un petit peu en amont. Et puis, dans un deuxième temps, j'aborderai des maladies actuelles qui sont des bons modèles pour essayer de voir comment une maladie évolue, comment ces maladies qui vont de l'homme à l'animal sont apparues, qu'est-ce qu'on en connaît, hein, ce qu'on appelle les zoonoses. Et pour terminer sur ce concept de One Health, c'est-à-dire une seule maladie, bien montrer qu'il n'y a pas d'un côté les maladies humaines, de l'autre côté les maladies animales, avec une étanchéité absolue. Vous avez vu que la première question qu'on s'est tous posée en 2020, c'est d'où venait cette maladie, le Covid? Eh bien, chauve-souris, mangouste, civette, enfin, tous ces animaux qui ont été candidats, on a posé tout un tas d'hypothèses. C'est bien sûr dans un foyer animal au départ qu'on l'a cherché. Je ne parle pas du P4 de Wuhan, mais de toute façon, même si le P4 travaillait sur ce virus, le virus n'arrivait pas du P4, hein, il arrivait d'ailleurs et probablement de chauve-souris. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas une étanchéité, même si ensuite ça va principalement se développer chez l'homme ou principalement chez l'animal. Ça, c'est un autre point qu'on verra. Il y a des maladies, et j'en citerai quelques-unes, où c'est presque équilibré entre l'homme et l'animal, des vraies zoonoses où les deux sont atteints, mais ce n'est pas la majorité. Donc voilà, quelque chose de plus historique et quelque chose de plus contemporain sur les maladies des animaux et de l'homme. Alors, pour commencer, je vous ai dit, j'ancre mon exposé dans la création de l'enseignement vétérinaire et la création des écoles vétérinaires. La première école vétérinaire ayant été créée en 1762-63, hein, à la fin 62, début 63, à Lyon,
Ça, c'est la première école nationale. École, elle n'était pas nationale, l'école, elle était royale, on est sous Louis XV, hein, bien sûr. La première école vétérinaire sur Terre, hein, l'école vétérinaire de Lyon. 2 ans après, celle de Maison Alfort a été créée, hein, toujours par le même personnage, qui est celui que vous avez ici, donc Claude Bourgelat, qui était écuyer du roi Louis XV. Et on verra dans quel contexte, et ce n'est pas un hasard si ça a été créé, vous verrez que c'est dans un contexte où 3 épisodes aussi majeurs sévissaient en France, et notamment dans le sud-ouest de la France, décimaient les cheptels de bovins et de chevaux. Donc déjà, on avait en tête, quand on a créé les écoles vétérinaires sur Terre et ce corps des vétérinaires, d'anéantir des grandes maladies qui causaient des problèmes énormes pour l'élevage. Le deuxième grand jalon que je vais mettre historique, c'est bien sûr Louis Pasteur. Hein, l'ère pasteurienne démarre avec la notion de micro-organismes, la première vaccination. On est vraiment dans un contexte qui a bouleversé la connaissance de la médecine au sens large, humaine et vétérinaire, hein, puisque tout le monde en a bénéficié de ces retombées. Et puis le troisième grand jalon que j'ai mis, ce sont les antibiotiques, l'apparition de la pénicilline par Alexander Fleming en 1940. Là, on a commencé à pouvoir soigner de façon solide les infections bactériennes et donc on avait, c'est vraiment une autre révolution. On voit que là, on a trois personnages qui incarnent ça, mais ce sont plutôt 3 époques hein, qui sont importantes et qui sont autant de jalons que l'on va voir. Alors, Je vais emprunter beaucoup aux travaux de quelqu'un qui est fondamental, Emmanuel Leclinche. Il a écrit une histoire de la médecine vétérinaire, donc à ce titre-là, c'est un gros pavé très, très intéressant. Et il a fondé l'OIE, c'est-à-dire l'Office international des épizooties. Donc c'est un grand monsieur qui a également marqué son époque et pour lequel j'emprunterai énormément. Juste à titre, on va dire, d'intérêt culturel, la première fois qu'on voit le terme « épidémie » apparaître dans les dictionnaires, c'est autour du milieu du XIIIe siècle. En 1256, on voit ce terme apparaître. Alors que le terme « épizootie », c'est-à-dire l'équivalent pour les animaux, hein, puisque pour l'homme, on parle d'épidémie, mais pour l'animal, on va parler d'une épizootie, il faut attendre bien longtemps après. On est en 1775, et si vous voyez par rapport à mon petit schéma d'en dessous, quelque part, c'est pas un hasard si c'est une fois que les écoles vétérinaires ont été créées et que se met en place, on va dire, une étude scientifique de la médecine de l'animal, que le terme d'épizootie apparaît. Et puis un terme qui nous intéresse et que vous connaissez maintenant tous, hein, j'ai même pas besoin de le définir, le terme de zoonose, donc ces maladies qui peuvent passer de l'homme à l'animal ou dans l'autre sens, eh bien il apparaît beaucoup plus tardivement. Il faut attendre 1953 pour que ce terme de zoonose soit écrit, hein, apparaisse dans les textes et dans les dictionnaires. Ça veut dire qu'on commence par définir les maladies de l'homme, on enchaîne avec les maladies des animaux, et on arrive enfin à l'idée que ces maladies, elles ne sont pas indépendantes les unes des autres et qu'il y a des maladies qui vont de l'homme à l'animal ou de l'animal à l'homme. Et le terme de zoonose apparaît alors en 1953. Donc vous voyez, c'est rien que l'apparition des termes, je trouve que c'est un enseignement très intéressant pour voir ce qui s'est passé. Alors, Claude Bourgelat arrive dans un contexte où l'histoire de la médecine vétérinaire a déjà été largement évoquée. Hein. Faut pas imaginer qu'on attende le milieu du XVIIIe siècle pour parler de la médecine vétérinaire. Hein. Je l'aborderai tout à l'heure. Mais on est dans un contexte où ce sont surtout les écrits grecs et arabes qui sont la majeure partie de ce qu'on en connaît. Les origines sont assez lointaines, on ne sait pas trop les dater, et l'animal de référence est avant tout le cheval hein, dans cette histoire vétérinaire. La création des écoles vétérinaires a permis d'abord de rationaliser les soins. Jusque-là, vous allez voir, je vous donnerai quelques exemples, hein, c'est souvent assez empirique, on va dire, et surtout de créer un corps particulier avec un enseignement adapté. Jusque-là, la mise en évidence et l'analyse progressive des maladies s'affinent. Hein. On va donner des noms, on va nommer, on va décrire ces maladies. Mais le gros problème, c'est le défaut de traitement efficace. C'est-à-dire que dans toute cette période, on va dire, on teste
des principes actifs, on dirait à l'heure actuelle. On teste tout un tas d'éléments, de plantes, de techniques, des saignées, tout ça, je vous les citerai, qui sont plus ou moins efficaces, dirons-nous. À partir de Claude Bourgelat, et je vais dire toute cette période qui va jusqu'à Louis Pasteur, on a bien sûr une mise en évidence de plus en plus des traitements. On a toujours ce problème des maladies infectieuses, puisqu'on ne sait pas trop l'origine, on ne les connaît pas. Hein. Pasteur a mis en évidence la notion de germe, de transmission, la vaccination, et puis une notion importante pour le soin des maladies, c'est la notion de prophylaxie. Donc tout ça fait qu'on est dans une période où les traitements raisonnés peinent à se mettre en place, et on a surtout un gros problème pour traiter les maladies infectieuses. Les maladies infectieuses, on aura un problème on va dire, surtout pour les maladies infectieuses d'origine bactérienne, on aura un problème jusqu'à l'apparition des antibiotiques, hein, et Alexander Fleming, après la Seconde Guerre mondiale, on pourra dire, parce que 1940, c'est le tout début, mais la Seconde Guerre mondiale n'a pas favorisé l'utilisation des antibiotiques, c'est vraiment après que ça s'est mis en place. Mais par contre, les premières vaccinations apparaissent, hein, Pasteur avec le petit Joseph Meister et la rage en est l'illustration. On commence à isoler les germes qui sont à l'origine des maladies, et le problème des maladies bactériennes commence à être plus ou moins résolu. Et depuis, ben, on va dire, on est dans cette phase post-Seconde Guerre mondiale, je dirais, où le problème des maladies infectieuses est largement résolu. La vaccination, alors bon, on pourrait dire, est largement acquise, même si je ne parlerai pas des antivax aujourd'hui pour ne pas me mettre des gens à dos, mais on va dire, elle a résolu tout un tas de maladies à l'échelle de la planète. On en est toujours au problème des maladies virales, et ce n'est pas un hasard si le problème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un virus. On a aussi toutes les maladies à prions qui posent problème, hein, la Creutzfeldt-Jakob chez l'homme ou la maladie de la vache folle, j'en parlerai, on verra les difficultés qu'on a eues à l'éradiquer. Et puis on a bien sûr tous les cancers, les maladies d'origine génétique et tout ça qui sont encore en cours de développement et de recherche. Donc voilà un petit peu, vous voyez, dans ce petit panorama historique où on en est à l'heure actuelle, hein, et quelles sont les problématiques actuelles. On sait soigner les maladies infectieuses, les maladies virales, on a des antiviraux, on a des vaccins, mais on a encore quelques problèmes. Et puis les maladies à prions ou les maladies génétiques, ben, on est en plein dans la recherche, on va dire, pour s'en sortir. J'ai voulu aussi, s'il y a des historiens qui écoutent cette conférence, voir un petit peu comment on superpose les périodes de l'histoire par rapport à cette histoire que je viens de vous décrire de la médecine. On s'aperçoit que cette histoire de la médecine, elle a pour ainsi dire pas grand-chose. Les grandes phases que j'ai citées ne se superposent pas du tout aux grandes phases, aux grandes périodes de l'histoire. Le Moyen Âge, jusqu'on va dire 1492, hein. L'époque moderne qui démarre en 1492 et qui va jusqu'à la Révolution française, 1789, et l'époque contemporaine qui vient jusqu'à nous. Quelque part, qu'est-ce qu'il y a de changé pour quelqu'un qui se trouve malade ou un animal qui se trouve malade en termes de connaissances entre le Moyen Âge et le début de l'époque moderne? Rien du tout. Il s'est rien passé de neuf, il n'y a pas de connaissances nouvelles. Donc ces périodes de l'histoire, elles sont intéressantes, on va dire, pour raconter l'histoire politique, l'histoire humaine, l'histoire des sociétés. Mais pour raconter l'histoire de la médecine, elles sont totalement inopérantes. Hein. À mon avis, quelqu'un qui était malade dans les tranchées en 14, il était plus près des médecines du Moyen Âge que de nos médecines modernes actuelles. Donc, il n'y avait pas d'anesthésie, il n'y avait pas d'antibiotiques. On se retrouvait à faire des amputations juste avec de l'agneau. Hein. C'est-à-dire qu'on imagine bien que la personne, une fois qu'elle avait 3 ou 4 grammes d'alcool dans le sang, elle sentait un peu moins l'amputation. Et puis derrière, bah, il n'y avait pas d'antibiotiques. Donc, de toute façon, ça passe ou ça casse. Hein. Soit il y a une infection, soit il n'y en a pas. Eh bien, cette médecine, c'est la médecine héritée de l'Antiquité. Hein. Je veux dire, on n'a pas évolué énormément à ce niveau-ci. Alors qu'à l'heure actuelle, une amputation, si on doit en avoir une, on a bien sûr les anesthésiques, on a bien sûr les antibiotiques et les soins adaptés. Hein. Donc, vous voyez, ces grandes périodes de l'histoire, elles ne sont pas du tout opérantes quand on parle de l'histoire de la médecine vétérinaire. Alors,
Je vous ai parlé d'Emmanuel Leclin. Je vous parlerai également d'un second auteur pour lequel j'ai pas mal emprunté pour cette conférence. C'est Léon Moulet. Et notamment, il a publié énormément sur toute la période qui va du 5e au 18e siècle. Donc, c'est quand même toute cette grosse période qui nous raconte l'histoire de la médecine vétérinaire de l'Antiquité, on va dire, la fin de l'Antiquité au début de l'ère moderne. Et il a travaillé beaucoup sur le Moyen-Âge, sur la Renaissance et le début de la période moderne. Alors, depuis la plus haute antiquité, la médecine des animaux, ça a toujours été une branche de l'art de guérir. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, dans un premier temps, tant que les écoles vétérinaires n'ont pas été créées, il n'y avait pas cette scission aussi nette qu'on a dans nos têtes, en tous les cas, entre la médecine des animaux et la médecine de l'homme. Il y avait l'art de guérir, et puis la médecine des animaux n'en était qu'une partie. Cet art de guérir, il se basait quand même, dans les textes, on voit apparaître un praticien qui est le vétérinarius, praticien de la médecine des animaux, qui pratique la chirurgie, la médecine. Mais vous voyez que le terme lui-même, en latin, nous provient de vétérina, qui est la bête de somme, et qui est principalement l'équidé, d'ailleurs, dans les textes. Pour Pline, vétérina, c'est l'équidé. Donc, on a vraiment un corps qui émerge gentiment, mais qui n'a pas de terme tout à fait arrêté. On a medicus veterinarius, medicus equarius, medicus jumentarius, medicus pecuarius, mulo medicus. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a medicus là-dedans, donc le médecin, des juments, des chevaux, du bétail, des mules. Et puis au Moyen-Âge, on a ce grand terme qu'on retrouvera dans les livres que je vous présenterai, de maréchal. Sachant que le vétérinaire est devenu le praticien de la grande maréchalerie par opposition à la petite maréchalerie qui s'est intéressée à la ferrure et au pied du cheval, on va dire. Le vétérinaire avait droit à tout le reste, et puis le maréchal ferrant gardait le pied du cheval. Et d'ailleurs, en 1646, Jean Massé publie un ouvrage qui s'appelle L'art vétérinaire ou grande maréchalerie. Vous voyez, l'art vétérinaire, c'est la grande maréchalerie. C'est à partir du XVIIIe siècle qu'on a cette dichotomie hein, du maréchal ferrant qui s'occupe des ferrures et puis du vétérinaire, le médecin des animaux. Alors au Moyen-Âge, on a tout un tas de mages guérisseurs ou de bages, c'est comme ça qu'ils sont appelés dans les textes, qui utilisent la botanique, la chimie. Alors sous les Mérovingiens, ils sont décrits, on les décrit pour l'élevage du cheval en Gaule comme étant très important, hein, chez les Francs également pour soigner les troupeaux. Dans la loi celte au Pays de Galles, on a une liste de vices rédhibitoires. Quand on vend un animal, il ne faut pas qu'il soit porteur de telle ou telle maladie. Dans le capitulaire de Charlemagne, on voit qu'il est écrit que le roi vend la viande de ses vaches boiteuses, mécènes, et de ses chevaux non galeux. Donc on a déjà quelques maladies qui sont décrites comme soit ne devant pas être, soit pour lesquels on attire l'attention. Hein. Donc, bon, visiblement, des vaches boiteuses, ça ne dérange pas trop. Hein. On peut vendre de la viande. Mais par contre, les chevaux au galeux, là, ça commence à pas être très sympathique. Et Leclinche, chez Emmanuel Leclinche, dont j'ai parlé tout à l'heure, nous indique que finalement, toute cette période médiévale, là, impose un poids très lourd à l'animal et le christianisme est peu favorable à ces animaux qui sont ces corps dits sans âme par le christianisme, qui ne méritent aucune considération et qui commercent avec le diable. Alors on pense que c'est probablement une des hypothèses qui font que tout au long du Moyen-Âge, la médecine vétérinaire a eu du mal à s'exprimer parce que quelque part, l'art de soigner l'animal a été délégué à tout un tas d'empiriques, de bergers, de charlatans, de sorciers, et aussi, on verra tout à l'heure, de saints. Hein. On allait en procession faire soigner les animaux quand il y avait des épizooties ou autres. Alors là, j'ai emprunté à Jean Bost, hein, qui a écrit Lyon, berceau des sciences vétérinaires en 1992. C'est un ouvrage très intéressant. Et il commence à citer. Pour le Moyen Âge, les traitements qui sont assez complexes, parfois hétéroclites, hein, mais par contre qui se recoupent, hein, c'est-à-dire d'un texte à l'autre, on voit à peu près toujours les mêmes. La saignée fait fureur.
L'élèvement aussi, les thériaques, les cautérisations, les sétons, c'est-à-dire les abcès de fixation. On mettait des cordes sous la peau et ça faisait un abcès de fixation, donc ça réavivait l'immunité, hein, des animaux. Le vinaigre, des sels, des fumigations, tout un tas de médecines qui sont citées dans tous les textes au niveau du Moyen Âge. Et on a tout un pan de la médecine vétérinaire qui est une médecine mystique, appliquée soit à l'animal, soit à l'homme. On retrouvera ensuite, au cours du Moyen Âge, cette médecine classique de l'Antiquité, des Grecs, transmise par les Arabes, qui réapparaîtra, et notamment à la fin du Moyen Âge, j'en parlerai. Tout au cours du Moyen Âge, on a des saints guérisseurs, hein, qui ne manquent pas d'abonder. On en a plus de 100 qui sont décomptés dans les textes, hein. Saint Blaise est le grand patron des animaux. Saint Éloi guérit les fractures. C'est le patron des maréchaux et des vétérinaires, hein. C'est toujours lui qui est le patron des vétérinaires. Saint Antoine, le protecteur du porc et du petit bétail. Saint Hubert, guérisseur de la rage. Et puis je vous en ai mis tout un tas d'autres. Saint Georges, Saint Martin, Saint Nicolas, Saint Roch, Saint Sébastien contre la peste, etc., etc. Donc on sollicite les saints dans les sanctuaires, on fait des processions, il y a des bénédictions d'animaux, bien sûr, hein. Et ça s'est pratiqué jusqu'à très, 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 très tard, hein. Il n'y a pas si longtemps qu'en Bretagne, on allait faire bénir les animaux. Là, on a une illustration de Saint Éloi qui tient dans sa main la patte de cette mule, là, qui s'est visiblement coupée la patte en deux. Il a une espèce de grand instrument qui ressemble à un gros pied à coulisse dans l'autre main, dans la main gauche, là. Bon, je lui souhaite bon courage pour le soigner, mais enfin bon, voilà, il faut y croire avant tout, hein. Donc voilà, donc Saint Éloi et cette médecine vétérinaire, vous voyez, qui quelque part attend, entre guillemets, un peu d'être rationalisée. Les Arabes ont contribué, entre le 7e et le 12e siècle, à cette médecine, notamment du cheval, hein. Emmanuel Leclinch écrit: du 7e au 12e siècle, la médecine du cheval va connaître, grâce aux Arabes, une des périodes les plus brillantes de son histoire. Alors, on sait que les Arabes, notamment par le biais de toute cette école de traduction de Tolède, hein, avec Al-Andalus, ont traduit tout un tas d'ouvrages de l'Antiquité ancienne, hein, notamment des Grecs. Mais ils ont également apporté leurs connaissances. Il ne faut pas non simplement voir les Arabes comme des transmetteurs d'un savoir antérieur. Ils ont également, parce qu'ils sont des grands, ils sont très proches de leurs chevaux et c'est une tradition, on va dire, équine, hein, eh bien, ils ont transmis énormément de nouvelles connaissances. Alors, j'ai sorti trois grands noms, hein, Avicenne, Ibn Sina, là, le traité des sciences au Xe siècle. Il y a toute une partie sur l'histoire des maladies des animaux, sur les animaux, qui sera traduite assez ultérieurement, hein, au XIIIe, mais qui apparaît dès le Xe. Ibn Alawan, j'en parlerai tout à l'heure, avec son traité d'agriculture du XIIe siècle, est également un grand traité. Et Abou Bakr, le Nasseri, là, au XIVe siècle, c'est un texte qui a été traduit en français assez tardivement, hein, au milieu du XIXe siècle. D'aucuns ont dit c'est le plus grandiose monument élevé à la gloire du cheval. Et on y voit un personnage tout à fait original qui est décrit dans cet ouvrage, qui s'appelle Al-Baïtar. Et Al-Baïtar, en arabe, c'est donc le vétérinaire, hein. Il est déjà présent bien avant la création du corps des vétérinaires dans les textes arabes. Alors, je vous ai sorti simplement pour illustrer ça Ibn Alawan, là, le livre de l'agriculture, Kitab al-Filah, du XIIe siècle. Et il y a une partie vétérinaire importante. Alors, c'est un ouvrage qui a été traduit en espagnol au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, et en français, maintenant on l'a en français, au début, enfin, en 2000, hein, aux éditions Actes Sud. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a peut-être pour la première fois dans l'histoire de la médecine vétérinaire une organisation. C'est pas simplement une liste qu'on fait au kilo en lisant le texte, mais on a les principales médications, des purgatifs, des laguements, des saignées, on les retrouve bien sûr. L'origine des médicaments, des plantes, des produits d'animaux, du sang, des œufs, de la viande, de la corne, des graisses, de la bile, de l'os, des minéraux, de la laine, de la cendre, du bitume, du soufre, etc., etc. Et les types de médicaments, donc des solutions, des infusions, des pilules, des liniments, des onguents, des bains, des poudres, des pâtes, des savons, des frictions, des grattages, des fumigations, des instillations. Je ne vous fais pas toute la liste, hein, mais vous voyez que déjà à l'époque, on a un arsenal thérapeutique assez important. La difficulté, ben, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de l'appliquer à bon escient et d'être sûr qu'il soit efficace. Ça, c'est un autre problème. Alors, je vais revenir, bien sûr,
plutôt à la médecine vétérinaire de l'Occident chrétien, hein, à partir du 10, 11e siècle et 12e siècle. On a en Angleterre le Learbook qui nous donne tout un tas de traitements, l'herbarium également, la médecine des quadrupèdes, et surtout, vous voyez, autour du 11, 12e siècle, la Physica d'Hildegard de Bingen, qui a une partie de son livre sur la médecine des animaux. Les grandes pestes sont vraiment bien décrites. Et vous voyez, là, on essaye cette fois-ci d'avoir le traitement et la maladie. Et c'est peut-être, là, vous voyez, on monte encore d'un cran. C'est-à-dire que jusque-là, on avait organisé un peu le système, mais on ne savait pas trop dans la liste lequel servait pourquoi. Là, dans la Physica d'Hildegard de Bingen, la corde de bison, c'est contre la peste du cheval. La poudre d'os de poisson ou le bec d'oiseau, contre la peste du porc. L'ortie et la laitue sauvage contre les coliques du cheval, le cuivre contre l'angine du cheval, de l'âne, du bovin, de l'ovin, du caprin, du porcin. La feuille de châtaignier contre la tympanite des ruminants, etc., etc. Bon, il y a quelques traitements qui pourraient faire sourire. Hein. La fleur de souci dans le nez contre la toux des ruminants. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ils toussent pas parce qu'ils ont de la toux, mais parce qu'ils ont une fleur dans le nez. Hein. Donc on n'a pas résolu le problème forcément. La feuille de châtaignier contre la tympanite, c'est pas idiot du tout. Hein. La tympanite, c'est en général la météorisation sur des animaux qui sont mis à la pâture à la fin de l'hiver, au printemps, sur des pâtures qui vont être très fermentescibles et des animaux qui gonflent. Ben, si vous leur donnez un aliment très sec, très riche en fibres, à l'heure actuelle, on ne fait pas mieux. On va donner du foin, on va donner même de la paille parfois, pour éviter que ça fermente et que ça météorise. Donc, il y a certains traitements qui étaient certainement des traitements empiriques qui marchaient, parce que les gens avaient remarqué que quand on donnait ça, ben, l'animal était plus malade. Donc, c'était du bon sens et ils n'avaient pas forcément l'explication, mais ça marchait. D'autres, bah, on va dire, c'était plus pour faire quelque chose, j'imagine, éviter de laisser périr l'animal sans rien faire. Au XIIIe siècle, un homme a marqué par son œuvre, c'est Jordanus Rufus, qui était le grand écuyer de Frédéric II. Hein, et il était donc Marescalus Major, ou Major. Il publie en 1250 son livre de la maréchalerie, qui va également renouveler toutes les connaissances de l'histoire de la médecine vétérinaire. Et les maladies sont également bien classées. Voyez, il classe les maladies naturelles et acquises. Il met en dehors les accidents et leurs diagnostics. Il donne toute une liste de maladies, la morle, le farcin, la gourme, la parotidite, le charbon, la gale, les aphtes, cataracte, l'angine, pousse, etc. Maladies de l'estomac, maladies des yeux, blessures, boiterie. On sent aussi que là, tout commence à s'organiser. On réfléchit un petit peu à partir du XIIIe siècle à organiser un petit peu ces traitements des maladies. Jordanus Rufus a écrit, lui, au milieu du XIIIe siècle, un De Medicina Equorum, un livre au sujet des maladies des chevaux, qui a été traduit à la fin du XVIe siècle en italien, Libro delle Marescalcie dei Cavalli. Donc c'est le même titre, on va dire. Hein, c'est le livre de la maréchalerie des chevaux. Et en français, la maréchaussée des chevaux, hein, à l'époque c'était chevaux bien sûr pour chevaux. Voilà des illustrations qui sont tirées de cet ouvrage de Jordanus Rufus. Je vais avancer, on monte au XIVe siècle. Alors là, cette fin du Moyen Âge, on n'a pas forcément une grosse production littéraire. Hein. D'ailleurs, Emmanuel Leclinche dit la production littéraire du siècle est d'une lamentable pauvreté sur le sujet. C'est vous dire si la médecine vétérinaire du XIVe siècle, c'est pas là qu'on va chercher les grandes avancées. Mais Rufus a écrit un ouvrage qui s'appelle Marescalcia. Ça serait la seule production intéressante. On en trouve par contre à partir du XIVe, XVe siècle en Espagne. Hein. Libro de Manescalcia et de Albaïteria et Fesica de las Bestias, donc c'est le livre de maréchalerie et vétérinaire, on va dire. C'est le terme qui provient de l'arabe, hein. On sent qu'à l'Andalous c'est passé par là, Albaïteria, et de la physique des animaux. Donc Joan Alvarez de Salma Mielas a écrit un ouvrage dont vous voyez quelques illustrations. Alors tout ça a été repris dans un ouvrage d'Yvonne Poudrieux hein, qui s'appelle L'hypiatrie dans l'Occident latin, 13e, 15e siècle. Donc c'est intéressant d'avoir aussi quelques références. Alors à partir du 16e, on va dire, on rentre dans cette renaissance qui, là pour les connaissances, va aller vers la création des écoles vétérinaires. On n'a pas beaucoup d'auteurs, mais on a quelques grands noms, Conrad Gessner, Paracels, Cardanus.
Le mécanisme de la fièvre commence à être analysé, les affections locales sont précisées. Et à partir du XVIe siècle, on a surtout une discipline qui apparaît, c'est l'anatomie, l'émergence de l'anatomie. Avec quelqu'un comme Léonard de Vinci, vous savez, qui faisait des croquis aussi bien d'animaux avec les muscles et tout, ou les os que d'humains, Vésale, Carlo Ruini a édité un traité complet d'anatomie du cheval. Hein, et on a l'apparition de l'école de cavalerie de Naples, hein, donc tout ça à la même période. Donc là, je vous ai illustré un ouvrage, deux illustrations tirées de l'ouvrage de Carlo Ruini, hein, qui dépareillerait pas dans des planches d'anatomie actuelles pour des étudiants vétérinaires. On voit très bien sur cette vue ventrale du cheval le côlon replié, tout est parfait. On a ici les muscles en vue latérale sur une vue latérale droite de cheval. Donc, on a l'encolure du chat qui a été disséquée par Caserio au début du XVIIe siècle. Et puis la fosse, donc, qui nous représente des chevaux, des anses intestinales de chevaux sorties ici, et les muscles du cheval en vue latérale droite également, à la fin du XVIIIe siècle. Donc vous voyez cette discipline, qui d'ailleurs, je fais un petit aparté, était la grande science au début des créations des écoles vétérinaires. C'est-à-dire qu'en 1763-64, là, lors des premières promotions qui sont passées à Lyon, 50% du temps d'enseignement d'un étudiant vétérinaire, c'était de l'anatomie. C'était la grande science de l'époque, mais on imagine bien qu'à l'époque, on n'avait pas toutes les disciplines qu'on peut avoir à l'heure actuelle, hein, que ce soit la pharmacopée n'était pas développée, la bactériologie, ben, on est avant Pasteur, enfin j'en passe et des meilleurs, et je ne parle pas des antibiotiques qui n'avaient pas été découverts, et l'ADN, 1953, on n'en parlait bien sûr pas du tout. Donc il y a tout un tas de disciplines à l'heure actuelle qui ont pris le dessus et qui ont besoin d'heures pour l'enseignement. Hein. Alors quand c'est créé cette école vétérinaire, je vous ai dit, c'était sous l'impact ou l'influence de maladies qui sévissaient en France et qui posaient des problèmes énormes pour l'élevage, à commencer par le charbon, hein, on l'appelait à l'époque le sang de rate, hein, on avait perçu la virulence du sang dans cette maladie, la morve, qui était un fléau des cavaleries, et d'ailleurs il y a eu, au moment de la création des écoles vétérinaires, plusieurs élèves qui sont morts de la morve, et la rage. D'ailleurs, l'école vétérinaire de Lyon était d'ailleurs un centre de référence pour le soin contre la rage. Alors là, ça, c'est pareil, hein, ça pourrait faire prêter à sourire quand on sait qu'on n'a toujours pas à l'heure actuelle de traitement de la rage une fois que la rage est déclarée. Hein. Et puis que le seul traitement, on va dire, efficace, c'est la vaccination. Le reste, donc la poudre d'Anagalis en 1770, je pense que ça peut faire frémir un médecin vétérinaire. Mais bon, c'était à l'époque le centre de référence pour la rage. Alors, juste pour vous donner des ordres de grandeur, hein, à Pouilly-le-Monial, on est dans la généralité de Lyon en 1714, 110 bêtes meurent, donc bêtes bovines, hein, 110 bovins du charbon, sur 120 qui sont recensés dans la généralité. C'est énorme. Donc là, on sent bien que bientôt, il n'y aura plus de bovins dans cette région. C'est le commerce des cuirs, c'est le problème du transport des animaux et des mouvements de troupes, hein, qui pose problème parce que ça transmet, ça propage la maladie. Alors là, j'ai tiré tout ça d'un ouvrage de Ours qui s'appelle Lutte contre les épizooties et l'école vétérinaire de Lyon au XVIIIe siècle, publié en 1957. Alors, quel est l'intérêt d'aborder l'histoire de ces maladies des animaux? Je dirais qu'il est triple. Et c'est ce qui va sous-tendre un peu le plan qui va suivre. C'est-à-dire, c'est la connaissance du cheptel lui-même. C'est l'aspect sanitaire des maladies, qu'elles soient transmissibles ou non. Est-ce qu'elles sont sous une forme d'épizootie, c'est-à-dire très ponctuelle, ou en zootique, est-ce qu'elles sévissent dans une région pendant très longtemps? Quel est l'impact économique? Donc, en gros, l'impact sur l'animal malade. Ça, c'est la connaissance du cheptel. L'autre point important, c'est la relation homme-animal. C'est-à-dire que là, on a la notion de zoonose, de maladie qui passe d'un animal à l'homme ou de l'homme à l'animal. Là, les deux sont malades, on va dire. Et puis, le dernier intérêt, puisque j'annonce un triple intérêt, c'est l'animal vecteur ou réservoir de maladie. Là, c'est bien sûr l'homme qui est malade, ce n'est pas l'animal, mais l'animal est un vecteur et quelque chose d'important dans la transmission. On pense bien sûr aux maladies parasitaires, par exemple, où l'animal va être un vecteur. Et c'est, par contre, c'est l'homme qui sera malade. Donc, on part de l'animal malade, on arrive à l'homme malade, et entre les deux, on a les deux qui peuvent être malades. Alors, j'exclurai de mes propos, bien sûr, les maladies pour lesquelles l'animal n'intervient pas, du coup.
Hein, parce que là, il faudrait un médecin qui en parle. Hein, ça serait quand on parle de la variole, de la lèpre, des toxi-infections comme le choléra, la diphtérie, les dysenteries, tout ça, on va dire, l'animal n'a pas de rôle dans la transmission. C'est une maladie. Alors, le micro-organisme intervient, bien sûr, hein, mais là, je laisserai ça à traiter au médecin. Alors, j'avais dit que je définirais quelques termes. Épidémie chez l'homme, je ne vais pas le définir, tout le monde connaît. Épizoo aussi, c'est bien sûr le terme appliqué à l'animal. C'est une maladie qui frappe tout d'un coup un grand nombre d'individus d'une même région. Donc, on va dire une épidémie de quelque chose, ou une épizoo aussi, si c'est des animaux qui sont touchés. Ce sont en général des maladies infectieuses, des germes microbiens, virus ou bactéries principalement. La contagion peut être soit d'un homme à un homme en cas d'épidémie, soit d'un animal à un autre animal en cas d'épizoo aussi. Et elle peut être soit directe, si c'est d'un animal à un animal ou d'un homme à un homme, soit indirecte, et dans ce cas-là, il y aura un vecteur. Alors le vecteur peut être animé, ça peut être un insecte, hein, vous connaissez tout un tas de maladies, le paludisme qui se transmet par exemple par un moustique, ou inanimé. On a parlé du charbon tout à l'heure. Ben, le charbon, c'était les peaux, c'était l'eau, c'était la terre. Donc ça peut être tellurique, hein, ou ça peut être l'air, bien sûr, le Covid, tout le monde en a entendu parler. Intéressant quand même, c'est qu'à l'échelle de l'histoire des maladies, même les épidémies les plus violentes, on pense à la peste, au choléra, à la grippe, finissent par s'éteindre. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être ce sur quoi il faut s'attacher aujourd'hui, c'est-à-dire que on n'a pas d'exemple de maladie qui est perduré et qui n'est pas fini au bout d'un moment par disparaître. Alors, elle disparaît pourquoi ? Soit parce qu'il y a une immunité acquise qui finit par s'installer dans la population, alors acquise naturellement ou par la vaccination, soit parce qu'il y a une diminution de la virulence du germe, le germe passant d'individu en individu, la virulence du germe va diminuer, soit bien sûr parce que les personnes ont mis en place de la prophylaxie. Hein, et puis je pourrais rajouter quand même, soit parce qu'au bout d'un moment, il y a tellement peu de personnes ou d'animaux susceptibles d'être contaminés que ça assure une prophylaxie naturelle, c'est-à-dire qu'ils sont très distants, ceux qui restent, qui sont encore vivants, sont très distants les uns des autres, et ça fait une barrière naturelle. Au bout d'un moment, quand vous avez plus que un dixième ou un centième de la population qui survit, eh bien ce centième de la population est totalement éclaté et le virus ou la bactérie ne peut plus se transmettre. Donc ça va repartir gentiment. Et les gens qui ont survécu, c'est forcément des gens qui sont immunisés, parce que sans ça, ils seraient morts. Donc on repart sur des bases plus saines et cette maladie, finalement, elle aura fini par s'éteindre gentiment. D'accord. Alors, vous verrez par contre que ça peut être très très long, ça peut durer sur plusieurs siècles. Ça, c'est peut-être le bémol après le côté positif de la chose. Alors, les endémies, ou onzo aussi pour l'animal, ce sont des maladies qui, cette fois-ci, durent pendant très longtemps, règnent dans une région donnée, dans un foyer, on dit, pendant très longtemps. Il y a deux sortes d'endémies. Des endémies dyscrasiques, c'est souvent des problèmes alimentaires. Le goitre, vous savez que pendant très longtemps, dans les zones de montagne isolées des zones, des côtes où il y avait très peu d'iode, il y avait des problèmes de goitre. Bon, on parlait d'endémie, de zone endémique de goitre. Hein. Mais bon, c'est pas ça qui va nous intéresser. Mais par contre, pour les maladies infectieuses, on a par exemple la peste et le choléra qui sont endémiques en Inde. Hein. Donc la maladie du sommeil en Afrique, le paludisme dans les zones marécageuses d'Asie ou d'Afrique. Et de temps à autre, eh bien, à partir de ces zones endémiques, de ces foyers de maladies, la maladie peut sortir. Et c'est ce qu'on appelle la notion d'endémo-épidémie. C'est-à-dire qu'elle va sortir du foyer endémique et elle va aller s'établir ailleurs. Et là, elle provoquera une épidémie. Et cette épidémie, ben, je vous ai dit, elle va finir par s'éteindre gentiment, plus ou moins longtemps, sur un temps plus ou moins long. Et cette notion d'endémo-épidémie, elle est, à mon avis, fondamentale, surtout quand on pense au Covid. Je terminerai par ça ma conclusion tout à l'heure. C'est que je pense qu'on aura des zones de la planète où le Covid sera endémique, pour des raisons toutes bêtes de non-vaccination de la population, non accès à la vaccination. Il y aura des zones dans des pays plus développés où on aura accès à la vaccination
où les gens, l'immunité collective se fera. Et de temps en temps, à la faveur, comme le variant Omicron ou Delta, eh bien, on aura des foyers épidémiques, c'est-à-dire on aura l'équivalent de nos vagues là, actuelles, qui, si les vagues étaient très distantes les unes des autres, pourraient correspondre à des épidémies, hein, des foyers. À un moment donné, on voit une vague, si ça fait 4-5 ans qu'il n'y a pas eu de vague, c'est simplement une petite épidémie, un petit foyer qui repart. Donc cette fois, cette notion d'endémo-épidémie, c'est quelque chose... Alors, on n'en entend pas énormément parler à la radio, mais j'étais content. Hier, à la radio, j'ai entendu une épidémiologiste en parler, et je pense que c'est fondamental. Notamment quand on est au niveau de ce dernier terme, que là, je ne définis plus, hein, parce que là, je pense que tout le monde le connaît, c'est que si c'est sur tout un continent, on parle de pandémie ou de panzoocie pour les animaux, hein, ça existe aussi. Alors, ces maladies qui vont de l'homme à l'animal, il y a un terme, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les zoonoses. Alors les zoonoses, on en dénombre plus d'une centaine identifiées à l'heure actuelle, hein, donc c'est quelque chose d'important. Elles sont principalement infectieuses ou parasitaires. On trouve des maladies à virus, à bactéries, à protozoaires, des rickettsioses, des mycoses, des helminthiases. En général, le réservoir de ces zoonoses est le plus souvent un réservoir animal et ça repasse à l'homme ensuite. Je pense que c'est quelque chose également d'important, ça. Alors, on va parler de zoanthroponose si c'est principalement l'animal qui est le réservoir et que ça passe à l'homme. On parlera d'anthropozoonose si c'est dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que si c'est l'homme qui est le réservoir et que ça s'est transmis à l'animal. Ces zoonoses, on va les décrire en zoonoses majeures, mineures ou exceptionnelles, suivant leur fréquence et leur importance. Alors, bien sûr, ça va varier d'une époque à l'autre. On imagine bien qu'une zoonose a pu être majeure à une époque, et puis qu'à l'heure actuelle, dans certains pays ou dans certaines régions, elle va être mineure ou très exceptionnelle. Et à l'inverse, elle a pu être exceptionnelle à une époque et devenir majeure à l'heure actuelle. Alors, les zoonoses majeures, elles sont fréquentes et graves. On pense à la rage, la tuberculose, la brucellose, les salmonelloses. Donc, tout ça, ce sont des zoonoses importantes hein, qui déciment les populations animales et humaines. Des zoonoses mineures, elles seront rares et ou, je devrais dire, bénignes. L'ectima, la fièvre aphteuse, maladie de Newcastle. Donc, on a un certain nombre de maladies qui passent de l'homme à l'animal, qui vont être préférentiellement chez l'un ou chez l'autre. Par exemple, la fièvre aphteuse est principalement chez l'animal, mais peut passer chez l'homme. Et chez l'homme, c'est bénin. Donc, on a très peu de cas avérés de mortalité avec la fièvre aphteuse. Donc, ça reste une zoonose mineure. Et exceptionnelle, alors exceptionnelle veut bien dire ce que ça veut dire, c'est la fréquence, là. Ça peut être mineur ou majeur, hein, c'est-à-dire qu'on peut être exceptionnel et très grave, l'encéphalite B, ou exceptionnel et bénigne, la maladie d'Ogeski chez le porc, par exemple, peut passer à l'homme, mais ça ne va pas faire quelque chose d'important. Alors ensuite, dans ces zoonoses, les modes de transmission, j'ai dit, peuvent être directs ou indirects et peuvent dépendre du type respiratoire, digestif, cutané, morsure ou plaie, etc. Et peuvent bien sûr, pour une même maladie, être multiples. C'est-à-dire que si vous prenez la tuberculose dans cet ensemble, vous voyez qu'il y a un mode de transmission respiratoire, mais aussi digestif, qui est attesté. Si on prend la brucellose, idem, brucellose respiratoire, digestif, cutané, par les muqueuses, etc. Donc, ensuite, je ne vais pas détailler tout ça parce que là, ça sera un petit peu long et puis ce n'est pas un cours devant des vétérinaires, mais on voit bien que les modes de transmission peuvent varier. Les agents pathogènes, soit bactériens, soit viraux. Donc là, je vous ai fait une petite liste. Plutôt que de la lire et de la commenter, je m'en servirai quand je vais présenter quelques maladies comme exemple tout à l'heure. Et puis bien sûr, parasitaires, avec transmission directe de l'animal à l'homme ou de l'animal à l'homme par un vecteur. Donc ça sera indirect. Alors des ectoparasites, les puces, les acariens, les endoparasites, cysticercoses, échinococcoses, etc. Et puis des transmissions indirectes par des vecteurs, soit des arthropodes, soit des vecteurs inertes, de la viande, des matières fécales, des matières souillées ou autres qui peuvent permettre de transmettre les maladies. Alors, je vais, plutôt que de rester dans la liste, hein, ça serait un peu fastidieux, je vais vous prendre quelques exemples. Alors, je vais commencer par des affections non contagieuses. Donc là, on sera en plus hors zoonose. Donc là, je vais commencer, je vous ai dit, par l'animal malade et l'animal seul.
On a tout un tas de maladies d'élevage qui sont décrites dans les textes hein, au cours de l'histoire de la médecine vétérinaire, les carences alimentaires, des affections par des germes ubiquus, l'actinomycose, les coliques, etc. Là, on a par exemple un bel exemple d'un cheval en colique qui est sur ses, assis sur son postérieur. Et, bon, je passe très vite. Des affections non contagieuses, la fourbure chez le cheval, des néphrites, des cystites, tout ça c'est décrit dans les textes. Vous avez cet animal à gauche là qui est fourbu des antérieurs et qui essaye de ne pas porter sur les antérieurs. Un animal fourbu, en général, c'est un animal qui a mal aux extrémités distales des membres, hein, qui a mal aux pieds. Et du coup, pour éviter d'avoir trop mal, il déporte son poids hein, pour pas que ça pèse trop sur les antérieurs. Donc là, il a cette position. Pareil pour une cystite, là, la jument qui est sur votre droite, ben, on a ses postérieurs écartés, elle essaye d'uriner, elle n'arrive pas. Donc toutes ces maladies sont bien connues, sont décrites sans problème. L'emphysème respiratoire, l'arthrose, tout ça, là, on a un vieux cheval décrit, hein, emphysémateux et arthreux, et avec de l'arthrose. Dans ces affections non contagieuses, toutes les fractures, les luxations, les affections dentaires, là, vous avez une luxation de la patelle avec ce membre qui est tiré vers l'arrière, l'animal qui ne peut plus le ramener vers l'avant, parce que la rotule est luxée, les membres aussi, là, on voit que l'examen dentaire est fait. Donc tout ça, c'est décrit dans des ouvrages que vous reconnaissez. Là, c'est ça, on l'a décrit tout à l'heure, l'ouvrage espagnol. Des troubles neuromusculaires, le tétanos a été décrit dans les textes, hein, avec ces convulsions spastiques là, hein, qu'on retrouve bien. Des troubles neurologiques, les encéphalites, l'ergotisme. Alors ça, dans les textes du Moyen-Âge, on en parle assez souvent. Ce qu'on appelait chez l'homme le mal des ardents. C'est dû à Clavicès purpurea, qui est donc un micro-organisme, un champignon microscopique, l'ergot du seigle, qui, si le fourrage est mal conservé, notamment s'il est trop humide, s'il moisit, va se développer. Et en se développant, il sécrète une toxine qui est, bien sûr, toxique pour les animaux et qui va provoquer tout un tas de problèmes de vasodilatation, d'encéphalite, etc., de formes convulsives. Et là, vous avez un animal qui est décrit, on dit la tête qui pousse au mur, c'est vraiment typique d'un syndrome encéphalitique. C'est un cheval qui a une hypertension intracrânienne, une encéphalite, et qui pousse sur le mur pour soulager cette hypertension intracrânienne. Alors les traitements à l'époque, on a des médications empiriques, on a les saignées tout le temps, alors on donne à boire. Là vous avez tous les points de saignée qui sont décrits dans les ouvrages, les lavements bien sûr. Parfois pour les luxations, on va tirer l'animal avec des charrettes ou autres. Alors, je passe bien sûr aux maladies plus classiques, les maladies contagieuses. Alors, dans un premier temps, on reste chez l'animal uniquement. Donc, la clavelée, c'est la variole ovine. Seul le mouton est sensible. C'est un pox viridé, c'est un virus. Ça forme des petites croûtes, des petits boutons. Là, et en gros, c'est une maladie très contagieuse. Vous avez 70 à 80% du cheptel qui est atteint. Il y a des petites croûtes séchées. Le dernier foyer en France, c'est 1964. Donc, vous voyez, c'est une maladie qui est décrite pour la première fois à la fin du XIIIe siècle et qui a embêté les éleveurs de moutons jusqu'aux années 60, au milieu des années 60. Parmi ces affections contagieuses, de l'animal uniquement, là, donc j'exclus les zoonoses, hein, la gourme. Il n'y a que le cheval qui est sensible, et notamment le cheval jeune. Alors, on a des formes humaines qui ressemblent un petit peu. C'est dû à une bactérie, cette fois-ci, c'est un streptocoque. On a des infections des voies respiratoires, de la toux, de la fièvre, etc. On dit l'animal jette sa gourme, hein, et donc il a des sécrétions importantes. Le seul truc, c'est que c'est une maladie dont l'animal s'immunise progressivement, ce qui fait qu'on n'a pas ça chez l'animal adulte. Le terme gourme apparaît en français, vous voyez, au milieu du XIVe siècle. Hein. Donc c'est quelque chose qui a embêté les éleveurs de chevaux pendant très 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 longtemps. La péripneumonie contagieuse bovine, ça c'est embêtant aussi. Ça fait partie des maladies qui étaient largement en vigueur au XVIIIe siècle en France, hein, quand Bourgelat a créé les écoles vétérinaires. Elle a disparu de France en 1906, donc ça fait partie des maladies de l'histoire, hein, à notre niveau. C'est une bactérie qui provoque ça. L'animal a une forte fièvre, un état fébrile, et puis il va mourir en 8 à 15 jours. Donc vous voyez que c'est quand même assez compliqué. On la voit décrite en mai-juin 1785
à Saint-Symphorien-le-Château, en mars de l'année qui suit, à Saint-Romain-les-Atteux, enfin bref, et à chaque fois 46 morts, donc 46 bovins, 81 guéris, 30 préservés. Donc ça fait quand même des cheptels qui sont décimés par ces maladies qui avaient cours au XVIIIe siècle. Alors après, parmi ces affections contagieuses, mais non transmissibles à l'homme, ça c'est important, vous avez tout le corpus là des pestes animales. Alors il faut bien faire attention, hein. Je vais parler des pestes animales, je vais exclure pour l'instant de mon discours la peste zoonose, c'est-à-dire la peste noire. Parce qu'en général, les gens connaissent la peste noire, la peste humaine, hein, transmise par la puce du râle, hein, et puis par Yersinia pestis, hein, une bactérie. Moi, je vais parler ici des pestes animales. Alors, pratiquement chaque espèce a sa peste. La peste équine, la peste bovine, la peste porcine, les pestes aviaires, la peste du lapin, la peste des petits ruminants. Et puis l'homme en a même une, la maladie de Newcastle. Mais elle n'affecte pas l'homme. Et ce sont des maladies virales. C'est en général un virus de la famille des paramyxoviridés. Ces maladies sont des maladies donc, qui touchent une espèce donnée et qui ont plus ou moins un berceau asiatique. Elles ont disparu d'Europe occidentale à peu près à la fin du 19e siècle, sauf cas ponctuel. On a vu des épisodes en 1920 à Anvers, à Rome en 1949. Mais bien sûr, elles continuent de sévir en Asie et en Afrique. Hein. Donc c'est des grandes maladies, ça. Ce sont les maladies les plus meurtrières de l'espèce bovine, de l'espèce équine, etc. Elles ont été décrites avec une hyperthermie soudaine, une gastro-entérite violente et la grande majorité du cheptel qui meurt. Hein. C'est-à-dire qu'en 3 à 15 jours, vous avez, après la contamination, vous avez les symptômes qui apparaissent. Elles sont hyper contagieuses. 90% du cheptel est contaminé. Et vous avez les animaux, pratiquement tout le cheptel qui est mort. Alors, la difficulté, si on s'intéresse à l'histoire de la médecine vétérinaire, c'est bien sûr d'être sûr que dans les textes, c'est bien de ça dont on parle. Parce qu'on voit les noms dans les textes anciens, c'est diphtérie maligne, dysenterie contagieuse, fièvre contagieuse typhoïde, peste morveuse, variole du bœuf, vous voyez, pour la peste bovine. Ce n'est pas toujours très facile de démêler les chevaux. Hein. La peste bovine, les épisodes de peste bovine, vous les voyez là, en tant qu'épisode aussi, hein, donc maladie des bovins, 560-569 en Gaule et en Italie, 579 en Irlande, en France 800-850-870. Bon, je ne vais pas vous faire toutes les dates, mais ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en relation avec les épisodes de peste noire, c'est-à-dire la peste zoonotique, la peste qui affecte l'homme, et vous voyez que ben, ça ne superpose pas. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas la même maladie, parce que si c'était une zoonose, eh bien, le cheptel animal et l'homme seraient atteints en même temps. Ça serait aux mêmes dates. Là, on a la peste justinienne en 542. On a la grande peste de 1348. Et en 1348, si vous regardez les pestes animales, on n'a pas de peste bovine à cette époque-là. Hein, d'accord ? Donc, on a vraiment une autre maladie qui existe. C'est la peste zoonotique d'où je parlerai. Alors, les confusions possibles dans les textes, c'est principalement avec la péripneumonie bovine, dont j'ai parlé tout à l'heure, et la fièvre afteuse. Alors la fièvre afteuse, la grande différence, vous le savez, c'est qu'elle est peu mortelle. Donc dans les stades initiaux de la maladie, je veux dire, on peut confondre. Parce que l'animal a de la fièvre, l'animal a du jetage, l'animal est faible, est affaibli, tout ça. Mais la grande différence, c'est si vous attendez 3 à 15 jours, ben, les bovins auront survécu à la fièvre afteuse alors qu'ils n'auront pas survécu à la peste. Hein. Donc ça va être une grosse différence. Mais si ça a été décrit très, très, très précocement, on peut avoir des problèmes. Alors voilà ce qu'on voit dans les textes. Hein. 1772, épisode aussi dans les environs de Bayonne. 1774, dans le sud-ouest jusqu'à Bordeaux. Donc ça a remonté. En 1776, un tiers des laboureurs n'ont plus de bêtes à cornes et doivent cultiver à bras d'homme. Et au total, entre 1774 et 1776, donc en seulement 2 ans dans le sud-ouest de la France, 150 000 bovins sont morts. Donc c'est énorme. Dans les textes, il y a quelque chose d'intéressant de marquer. Il est indiqué que les hommes étaient obligés d'atteler leurs femmes pour tirer la charrue. Parce qu'ils n'avaient plus de bovins, ils n'avaient plus de chevaux, ils n'avaient plus rien du tout. Eux, ils savaient conduire la charrue, donc ils restaient derrière, bien sûr. Et puis, ben, il n'y avait plus que les femmes qui pouvaient tirer devant. Hein, vous voyez. Bon, on aurait pu imaginer un autre scénario, mais à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Alors,
C'est intéressant en termes d'histoire de la médecine vétérinaire, c'est qu'en 1746, on voit les premières méthodes, on va dire, prophylactiques, hein, de surveillance sanitaire se mettre en place. La déclaration des animaux en 1746, de ces animaux qui ont la peste bovine, doit être faite. Les animaux doivent être isolés, ils n'ont plus le droit d'aller ni au marché ni aux foires, hein, c'est interdit à cette époque. En 1771, interdiction aux bouchers d'acheter des animaux dans une paroisse contaminée. Donc vous voyez qu'on commence à prendre des mesures assez drastiques. Et en 1774, Vic d'Azyr, donc, qui était médecin, hein, est envoyé par Louis XV pour aller mettre au point un protocole de désinfection, d'interdiction de déplacement des animaux et de mise en place de cordons sanitaires autour des élevages infectés. Donc, on a quelque chose de très moderne déjà, je trouve, à l'époque. Hein, on est quand même que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour essayer de contenir une maladie dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que les animaux meurent. Hein, c'est à peu près tout ce qu'on sait. On ne sait pas la soigner, on ne sait pas l'origine de la maladie, mais on a compris qu'il fallait absolument isoler ces animaux malades du reste du cheptel. Alors, les pestes équines. Ben, alors, j'ai envie de dire, je vais passer plus rapidement parce que je vois l'heure qui tourne. Et puis en plus, vous aurez compris que la notion de peste, c'est la notion de grande mortalité. C'est ça qui prévaut pour l'utilisation de ce mot. Ce n'est pas lié à un agent infectieux, puisque là, je suis en train de vous décrire des virus qui vont être différents. Et puis, quand on parlera de la peste noire, ça sera le même terme avec une bactérie. Donc, ce n'est pas lié à l'agent infectieux, c'est lié vraiment à cette grande mortalité. Léon Moulet dit que la première fois qu'on a décrit cette peste équine, c'est au XIVe siècle. Hein, ça ne veut absolument pas dire qu'elle n'existait pas avant, bien au contraire. Et on l'a appelée l'épidémie de Yémen, hein, du nom de l'origine présupposée de la maladie. Cette peste équine, elle était décrite en 791, donc sous Charlemagne, hein, puisque les chevaux de Charlemagne, en guerre contre les Huns, sont atteints par une peste qui atteint les 9 dixièmes de l'effectif de son cheptel. Et quand vous faites la guerre à l'époque, c'est forcément à cheval. Si vous n'avez plus de chevaux, c'est fini. Donc la guerre, c'est ça, faute de, pas de combattants, mais de chevaux. Et Charlemagne est obligé d'interrompre sa guerre contre les Huns en 791, faute de chevaux, hein, vous voyez un peu. On voit en 832 une nouvelle épisode aussi de peste équine, si grave qu'on ne voyait presque plus personne qui n'alla, sous-entendu, autrement qu'à pied, hein, qui n'alla à pied. Donc tout le monde marche à pied parce qu'il n'y a plus de chevaux. Hein. En 1360, on a un autre épisode de peste équine qui a tué les trois quarts de des animaux. Et je remonte dans le temps, là, cette fois-ci, peut-être une des premières fois où on en parle vraiment de façon évidente, c'est Grégoire de Tours qui parle. Et là, on peut se poser la question quand même, si c'est bien de la peste équine, parce que regardez, cette maladie n'épargne aucune créature, tous les troupeaux sont frappés, les bêtes fauves meurent dans les bois, les hommes dans les villes et dans les campagnes. On peut se demander si à cette époque-là, Grégoire de Tours n'a pas assisté à un phénomène concomitant de peste animale et de peste humaine, de peste zoonotique. Et là, du coup, ça frappe tout le monde. Donc, mais c'est assez rare. Ça, c'est rarissime dans les textes qu'on ait les hommes et les animaux qui meurent en même temps. Souvent, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des épisodes séparés. Hein. On a la peste zoonotique d'un côté qui sévit sur l'homme et la peste animale avec tous ces virus. Donc, je ne vais pas vous faire toutes les pestes animales. Hein. Je vous en ai décrit deux. Je pense que vous avez compris que l'idée, c'est qu'il y a un nombre important d'animaux qui se retrouvent sur le carreau. Alors la peste zoonotique, là j'aborde maintenant mon deuxième chapitre sur les maladies de l'homme et de l'animal. La peste noire, donc on parle encore de peste bubonique, hein, qui va tuer 50 à 70% des personnes, de peste pulmonaire, de forme septicémique, donc tout un tas de formes de cette peste zoonotique. C'est au départ une maladie des rongeurs. Hein, en général, c'est les rats, hein, qui sont porteurs de cette maladie. Les rats vont en fait, on a mis du temps à comprendre parce que les rats sont porteurs d'une puce, et c'est la puce qui transmet l'agent pathogène Yersinia pestilens, la bactérie. Et la puce, c'est Xenopsylla caeopis, le nom de la puce, là, c'est son nom, c'est cette puce du rat, Xenopsylla caeopis. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avant qu'il y ait une épidémie de peste dans la population humaine, pardon, on voit... Mais en fait, on ne voit pas plus précisément une épizootie de peste sur le rat, hein, et une mortalité importante de rats. Sauf que ça, les rats, ça vit dans les égouts, dans les souterrains, enfin, à des endroits où on ne les voit pas forcément mourir.
Donc vous imaginez que ces maladies, elles ont été très très longues à comprendre par les contemporains, parce que on avait par exemple au XIIe siècle à Almeria des bateaux qui nous arrivaient de Tunis où régnait la peste humaine de façon endémique. Ils débarquaient avec des rats qui se propageaient dans la population et 3 semaines, 4 semaines plus tard, on commençait à voir apparaître, alors qu'entre deux, il y a plein de bateaux qui étaient apparus de partout, et on n'en faisait pas le lien forcément, on voyait apparaître des épisodes de peste humaine dans Almeria, hein, qui était un port de la Méditerranée très important à l'époque. Donc, vous vous doutez que c'est hyper dur pour les contemporains de faire le lien entre un bateau qui est arrivé de Tunis il y a un mois, entre deux, il y a eu plein de bateaux qui arrivaient de partout, et puis cet épisode de peste qui, en plus, correspond à des mortalités importantes de rats. Alors j'ai mis un grand H et un petit A, parce que là bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est cette mortalité humaine par rapport à la mortalité animale qui sera pas plus secondaire si on s'intéresse à la biodiversité, mais qui ne fait, entre guillemets, que des rats. Hein. Alors on a 3 grandes pandémies hein, et qui sont importantes, hein, parce que la peste justinienne sur les bords de la Méditerranée a sévi pendant à peu près 50 ans, à partir de 542. Donc là, c'est un autre point, quand j'entendais dire quelqu'un comme, pour pas le nommer, Boris Johnson, que l'immunité collective, on pouvait l'attendre. Oui, on peut l'attendre. Mais vous voyez que là, il faut quand même attendre 50 ans hein, pour qu'il se passe quelque chose de sérieux et que ça s'arrête. Hein. Donc on peut toujours attendre l'immunité collective, mais ça sera peut-être pas nous qui la connaîtrons. Hein. Donc la peste noire, on a bien sûr ce grand épisode que j'appelle, moi, par facilité de 1348, mais vous voyez qu'il démarre en 1346, il finit en 7 ans plus tard, en 1353, donc qui est d'origine indienne, qui restera endémique sur toute l'Europe et qui causera à peu près 50 millions de morts à une époque où l'Europe est beaucoup moins peuplée qu'à l'heure actuelle. Donc c'est énorme. Hein. On a par exemple en 1466 à Constantinople 600 morts de la peste par jour, 600 morts humains. Hein. On a des morts en 1478 qui sont décrits à Venise. Au XVIe siècle à Milan, sur une population de 250 000 habitants, on a 60 000 habitants qui sont mis sur le carreau, hein, qui sont morts. Donc vous voyez un peu, cette peste noire, c'est pas une maladie que l'on doit prendre à la légère. Et la troisième grande pandémie, elle sévit entre 1894 et 1912. Elle fait quand même 11 millions de morts hein, et dans tous les ports européens. Donc là, on a, avec la peste noire, on a une maladie très importante dans le passé. Et la notion de peste, on la comprend ici, du coup. Quand vous voyez la quantité de morts humains, eh bien, quand on voit des quantités de morts animales aussi importantes, eh bien, on appellera ça peste, même si c'est un virus, alors que là, c'est une bactérie. Ce qui frappe, c'est que finalement, il y a énormément de morts. Hein. Quand on entend parler de peste, il y a forcément beaucoup de morts. C'est un peu l'idée qui doit rester. Alors, je change de maladie avec la fièvre aphteuse, c'est un autre virus. Alors, il est en zoonotique en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, et puis il était en zoonotique en Europe avant 1960. Hein. La dernière grande épisode aussi, j'en parlerai tout à l'heure, c'est 2001 en Grande-Bretagne. Bon, je pense que vous en souvenez forcément avec tous ces monceaux de bovins qui étaient tués, là. C'est une maladie hyper contagieuse, j'en parlais tout à l'heure, qui touche principalement les artiodactyles. Hein, donc, elle ne touche pas les chevaux, elle touche très peu l'homme, mais les bovins, les ovins, les caprins, les porcins, tout ça sont touchés. La mortalité est faible, hein, c'est vraiment ce qui la différencie totalement, même si elle est très contagieuse, elle est peu mortelle. Et puis, chez l'homme, elle est assez bénigne, donc c'est une maladie qui, on va dire, dans l'histoire de l'animal, a été surtout une non-valeur économique. Il y a tout un tas de maladies qui sont vraiment gênantes parce que l'animal ne peut pas être vendu ou maigri ou finalement va transmettre la maladie. Donc, c'est pas forcément dangereux pour l'homme, mais ça peut être des non-valeurs économiques. Donc, c'est compliqué, ces maladies, à gérer également. Hein. Alors, elle a été identifiée la première fois par Frascator en 1546, mais le diagnostic différentiel dans les textes n'est pas toujours très facile. Dès qu'on a une grande contagiosité, souvent on parle de peste plus que de préciser la maladie. Bon, la stomatite vésiculeuse chez les bovins, les suidés, les équidés, là, honnêtement, c'est pratiquement impossible à différencier de la fièvre aphteuse dans les textes. Donc le diagnostic différentiel de certaines maladies est très compliqué, je passe très vite. Et bien sûr, une autre grande maladie que vous connaissez tous, la tuberculose, donc due également à une bactérie ici, le bacille de corps. Alors, elle est protéiforme, hein, elle apparaît sous plusieurs formes. Hein, donc, là, on parlait de ptisigalote
galopante, de fièvre consomptive, de mal des langueurs, de scrofulose. On soignait, les rois soignaient, avaient soi-disant le pouvoir de soigner les écrouelles, vous savez, la maladie perlière ou pommelière des bovins. Donc c'est une maladie compliquée parce que c'est une maladie qui peut apparaître sous une forme très aiguë ou chronique et rester dans un cheptel très longtemps. Ça a probablement été une des maladies les plus redoutables dans le passé. Hein. On la connaît depuis très longtemps. Elle a été décrite dans les momies égyptiennes. Et surtout, c'est un animal dont l'état se dégrade. Là, vous voyez à l'intérieur de la cavité thoracique cette forme miliaire avec des petits ronds qui apparaissent. Et dernière grande maladie, la rage. Donc une maladie virale, maladie zoonotique bien sûr, inoculée par morsure, avec un tropisme nerveux, toujours mortel chez l'homme si elle est déclarée, ça je vous le dis, hein, c'est toujours le cas à l'heure actuelle, hein, donc ça veut dire qu'on ne rigole pas avec la rage. Hein. Un chien qui vous mord, si vous ne connaissez pas de façon sûre le statut de l'animal, et s'il n'est pas vacciné contre la rage, ne rigolez pas, dites pas, bon, on verra, ben oui, mais si vous voyez, c'est trop tard. Hein. Donc il faut faire surveiller le chien, hein, normalement, il est suivi par un vétérinaire, et si le chien ne déclare pas la rage, oui, vous êtes tranquille, mais s'il déclare la rage, il faut tout de suite se faire vacciner, hein, parce que sans ça, on ne connaît pas de traitement encore à l'heure actuelle, en 2021, pour soigner la rage une fois qu'elle est déclarée. Hein. Donc c'est une maladie qui est connue depuis l'Antiquité. La première vaccination a été faite le 6 juillet 1885 par Pasteur, sur le petit Joseph Meister, vous le savez. Et son expression nerveuse, elle est un petit peu différente chez l'homme et l'animal. Hein. Chez l'homme, il y a une hyperesthésie sensorielle, il y a une hydrophobie qu'on ne retrouve pas chez l'animal. Par contre, chez l'animal, une rage spastique, furieuse. On voit des animaux qui sont décrits comme ça dans les textes, qui cassent tout. On voit des chiens ou des renards ici qui sont enragés. Donc tout ça est en général bien décrit. La rage, elle est connue depuis l'Antiquité, donc il n'y a pas de problème. La fièvre charbonneuse, ben, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc je vais passer très vite. Hein. Elle a vraiment frappé, elle est due à un bactérie, Bacillus anthracis. La grosse difficulté, c'est que cette bactérie va sporuler. C'est-à-dire qu'il y a une forme de résistance qui se met dans le sol, qui peut rester plusieurs années et qui, à la faveur de souillures, de piqûres, d'inoculation de cette bactérie qui est dans la terre, peut repartir, sporuler et donc germer ensuite. Une fois qu'elle a sporulé, elle peut regermer derrière et vous infecter. On connaît la notion de ce qu'on appelait des champs maudits. C'est-à-dire quand il y avait eu la maladie des animaux dans un pré donné, dans un champ donné, on savait que derrière, si on remettait des animaux, ça repartait. Et au niveau humain, on a quand même, en 2000, on avait encore 200 000 cas sur Terre de morts par cette bactérie. Hein. Donc, ce n'est pas une maladie, même si chez nous, elle a disparu, c'est une maladie qui est sérieuse. Alors, vous voyez, elle est décrite hein, dans les années 1750, 1760 et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Hein, et il y a énormément de pertes, hein, 24 morts, 80 morts, 4 vaches mortes, etc. Donc, ça fait partie des grandes maladies qui ont présidé à la création des écoles vétérinaires. Et puis, on a les fameuses grippes. Hein. Alors, les grippes, ce sont des virus, des ortho- ou des paramyxovirus. On a trois grands types, A, B, C. Il y a une grande variabilité antigénique, vous le savez, hein, puisqu'on est obligé de refaire tous les ans le virus, la vaccination, si on va être protégé, puisque ça mute beaucoup. Et cette maladie, elle a sévi chez l'animal, on la voit dans les textes, à partir du XIVe siècle. Alors, il y a une mortalité importante, il y a des séquelles qui peuvent être cardiaques, qui peuvent être au niveau de l'arthrose, etc. Et puis, il y a des pandémies de grippe humaine et animale, qui peuvent être concomitantes ou non. En général, il y a peu de passages, il y a peu de barrières d'espèces. Mais il y a bien sûr des exceptions, et il y en a une que vous connaissez tous, qui a posé certainement un des plus gros problèmes sur Terre, c'est cette fameuse grippe espagnole. L'origine de cette grippe, on ne la connaît pas totalement, mais le résultat, on le connaît très bien. Alors, c'est un orthomyxovirus de type H1N1 qui a sévi entre 1918 et 1919 et qui a fait entre 20, 40, voire 100 millions de morts sur Terre. C'est énorme, la grippe espagnole.
À titre de comparaison, le dernier épisode là, de Grande Peste Noire, c'était 34 millions. Rien qu'en France, l'hiver 1918-1919, 408 000 morts, sachant qu'on sort d'une guerre mondiale. Hein. Donc vous voyez un petit peu les dégâts qu'il peut y avoir eu. En gros, 1 milliard de personnes auraient été atteintes par la grippe espagnole, qui était 30 fois plus mortelle qu'une grippe normale. Alors, vous avez en bas la petite carte là où on voit comment ça s'est passé. C'est une grippe d'origine asiatique, comme pratiquement toutes les grippes. Elle sévit de façon endémique. Elle est passée en Amérique du Nord. Elle est revenue du Mexique en Espagne et en Europe de l'Ouest. Et ensuite, elle est repassée en Amérique du Sud et en Afrique. Une vraie pandémie. Hein. Et c'est en fait ça qu'ont toujours en tête les épidémiologistes à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'ils ont peur qu'il y ait un jour une grippe de ce goût-là qui ressorte et qui refasse des millions de morts comme il y a eu. Hein. Alors on a eu une grippe asiatique H2N2 en 1957, la grippe de Hong Kong H2N2 également en 1968. Il y en a eu tout un tas, H5N1. En 2004, H7N7 en 2003 aux Pays-Bas en Belgique, H5N1, vous en avez entendu parler il n'y a pas si longtemps. Le problème, c'est qu'en fait, le réservoir est un réservoir animal. En général, aviaire, voire porcin. Hein. Alors, le porc est plus sensible que l'homme. C'est un avantage, c'est-à-dire qu'en général, ça va passer de l'oiseau, enfin de la volaille, au porc. Et puis, ça va s'arrêter là. Mais ça peut passer de temps en temps, le virus peut passer à l'homme. Alors, si l'homme, vous voyez ce petit dessin, ce petit dessin en haut là, si l'homme est déjà infecté par une grippe saisonnière, c'est le petit virus bleu qui est représenté sur ce schéma là, eh bien, et qu'il attrape cette grippe aviaire, que le virus passe donc de l'oiseau au porc et du porc à l'homme, eh bien, il peut y avoir ce qu'on appelle une fusion virale. Donc ça, c'est quelque chose d'original chez les virus, ils peuvent fusionner. Et vous avez donc un nouveau virus qui, ici, a été représenté en vert, du coup, on avait un jaune, on avait un bleu, on a fabriqué un vert, et ça, ils ont fusionné. Et le pouvoir de ce nouveau virus qui est apparu chez l'homme va être qu'il va pouvoir passer d'un homme à l'autre. Alors qu'avant, l'homme était un peu un cul-de-sac évolutif, ça passait de l'animal à l'homme et ça s'arrêtait. Et bien là, ça va passer d'un homme à un autre homme. Ça, c'est le premier type de diffusion dans la population humaine d'une grippe. On comprend tout l'intérêt qu'il y a d'être vacciné contre la grippe saisonnière. C'est qu'on va casser cette possibilité-là de voir apparaître un nouveau virus, là, fusionné, ce nouveau virus vert, là, qui pourra diffuser dans la population humaine. La deuxième possibilité, c'est que, en passant de l'animal à l'homme et de l'homme à un autre homme, même si c'est assez lent, eh bien, qu'il y ait une mutation. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux virus qui apparaissent et ce virus qui est représenté en orange, il va devenir rouge progressivement et il va pouvoir ensuite avoir une virulence beaucoup plus importante dans la population humaine. Donc, la veille sanitaire est fondamentale de ce point de vue-là. C'est que dès qu'on perçoit un virus d'origine animale qui passe chez l'homme, il faut tout de suite le surveiller pour être sûr qu'on ne va pas être dans un cas ou dans l'autre, puisque dans les deux cas, le résultat va être le même. Alors, l'histoire des grippes aviaires, elle remonte à la plus haute antiquité. Hein. Elle est déjà décrite en 1200 avant Jésus-Christ. Elle est décrite en 430 avant Jésus-Christ. On l'appelle la peste d'Athènes. En 218 avant Jésus-Christ, en 43 avant Jésus-Christ, elle est décrite par Virgile. En 671, etc., en Angleterre, les basses-cours sont décimées. Les poules meurent à Paris en 1578. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais vous voyez que jusqu'à très récemment, on a des descriptions de mortalité importantes. Hein. 1,5 million de morts chez l'homme quand même sur cette grippe qui est passée chez l'homme entre 1957 et 1968. Hein. Donc, faut pas prendre la grippe souvent dans l'esprit des gens, c'est quelque chose d'un peu on confond avec une rhino-trachéite ou une petite maladie bénigne hein, de l'hiver, ça peut faire des millions de morts hein, dans l'espèce humaine. Hein. Alors après, avec l'épidémiosurveillance, ben, maintenant, à l'heure actuelle, on arrive à endiguer le nombre de morts. Vous voyez, 30 morts déclarés pour la grippe de 2004, 54 décès en 2005, et puis ensuite, on essaye d'endiguer le système. Hein, chez l'homme, 19 cas en 2006 en Turquie.
Alors voilà un épisode de 2007-2008 où on a, en Asie principalement, vous voyez, des épisodes qui ont provoqué des décès des volailles, donc maladie de l'animal, en rouge clair, et quand même des décès humains, hein, donc en rouge foncé ici. Donc ces maladies sont vraiment des vraies zoonoses hein, qui passent à l'homme et à l'animal. À l'heure actuelle, on voit peu de transmission d'oiseaux à homme, hein, ça reste rare, mais bien sûr, c'est surveillé de très près. La maladie animale elle-même, elle va être très surveillée. En France, par exemple, en 2020, 46 départements français présentent un risque élevé et doivent prendre des mesures contre cette grippe aviaire. Hein. L'épidémiosurveillance en 2020 porte sur H5N8 et H3N1. On ordonne des abattages préventifs dès que la maladie se déclare. Donc, vous voyez, par exemple, en 2020, un abattage de 40 000 canards a été ordonné hein, par le journal officiel du 29 décembre 2020. On a détecté 18 foyers de H5N8 en France en 2020. En octobre 2021, on a ici en jaune les zones où on a encore des foyers. C'est quelque chose de très surveillé à l'heure actuelle en France parce qu'on ne voudrait pas, au-delà du côté élevage, on ne voudrait pas que le phénomène que je vous ai démontré tout à l'heure se produise chez nous parce qu'en plus, on est sur des élevages industriels. Hein. On n'a pas quelques volailles qui se battent en duel là dans un poulailler personnel. On est sur des milliers et des milliers d'animaux qui peuvent transmettre ce virus, le faire muter et le transmettre à l'homme après. Donc c'est quelque chose de sérieux, cette grippe aviaire. Bon, les maladies zoonoses, on en connaît d'autres dans l'histoire. Je vais passer très très vite. La morve, je passe également sur la gale sarcoptique du mouton. Tout ça, c'est quelque chose qui se voit dans les textes, mais qui n'est pas très très important. On voit dans les textes les grandes épis aussi. Ça, quand il y a énormément de mortalité, on le voit. On voit les zoonoses à l'origine des grandes pandémies. Mais par contre, donc c'est toutes les maladies très démonstratives, par contre, on a du mal à savoir l'animal, l'état sanitaire des animaux. Quel était-il au quotidien? Alors, on a quelques textes qui nous permettent de parler de ça, et une historienne médiéviste, Corinne Beck, qui était nantaise d'ailleurs, en parle, notamment dans les inventaires après décès. Elle a fait sa thèse en Bourgogne sur les animaux, et elle écrit en 1984, « Lorsqu'il s'agit d'apprécier l'état des troupeaux, l'aspect zootechnique des sources fait défaut. » En fait, elle a décrit, avec les inventaires après décès en Bourgogne au XIVe, XVe siècle, des comptes hein, après décès qui disent « Ces comptes mettent en scène des animaux matures, dont certains sont dits de très grand age, donc c'est le terme en vieux français, le dit cheval ne voit goutte, donc on sent bien qu'il ne voit pas tellement, deux chevaux bornes chacun d'un œil et de très grands âges. » Voilà, donc des vieux chevaux, borgnes, etc. Donc ça, on le retrouve dans certains textes, hein, c'est assez compliqué, mais les textes ne font pas référence en général à l'état sanitaire normal. Par contre, dès qu'il y a une mortalité importante, des pestes ou des choses comme ça, ça c'est hyper décrit. Pareil, elle parle de chevaux affoulés, de chevaux roigneux, c'est-à-dire des chevaux qui ont la gale, des chevaux qui boitent, etc. Donc tout ça est bien décrit. Et mon épouse, en 2000, avait travaillé sur un juriste d'Al-Andalus au XIe siècle qui parlait des vis cachées de ces animaux, des mulets dits boiteux, un cheval qui avait des déviations des antérieurs, une jument qui était défectueuse, une mule porteuse de vis cachées. Donc tous ces documents attestent que par rapport à la mulasserie mallorquine qui est décrite comme étant des beaux chevaux bien élevés, etc., cette chevalerie là du quotidien d'Al-Andalus n'est pas tout à fait aussi au top. Alors, ça c'est, on va dire, un bref panorama, même si c'est toujours trop long, de l'histoire de la médecine vétérinaire. Je vais passer maintenant à des maladies plus actuelles en m'appuyant sur un ouvrage que vraiment je vous recommande, qui est très bien fait et qui était surtout novateur parce que c'était avant le Covid et il avait déjà flairé tout, d'un confrère qui s'appelle le docteur François Moutou. Et l'ouvrage s'appelle « Les épidémies des animaux et des hommes ».
Il aborde déjà à l'époque le SRAS, le sida, la vache folle, la grippe aviaire, la rage, le chikungunya, Ebola, etc. Donc ça pourra compléter totalement mon exposé. Hein. Je n'ai pas abordé toutes les maladies. Hein. Le chikungunya en 2005 à La Réunion, c'est un très très bon exemple, mais je n'ai pas le temps du tout. Alors ce qui est intéressant, c'est rappelons quand même, c'est tiré de son ouvrage, que 75% des MIE, c'est-à-dire des maladies infectieuses émergentes, sont liées à des micro-organismes d'origine animale. La grande majorité de nos nouvelles maladies qu'on connaît à l'heure actuelle chez l'homme, des nouvelles zoonoses, proviennent de l'animal. Donc ça veut dire que l'animal, il faudra le surveiller de façon importante. Je voulais développer trois exemples, mais je vais peut-être le faire de façon un peu expéditive. La rougeole, la tuberculose et la rage. Pourquoi ? Parce que là, c'est en lien avec la domestication de l'animal. Et là, c'est simplement pour rappeler que c'est la promiscuité de l'homme et de l'animal actuel, mais on va dire actuel, ça veut dire depuis la domestication, donc il y a quand même 10 000 ans, hein, ça c'est pas récent, depuis l'Holocène, depuis que l'homme a domestiqué l'animal, eh bien il s'est rapproché très fortement de cet animal. Et vous avez certains agents infectieux qui sont passés de l'animal à l'homme, mais il y en a d'autres qui ont fait le trajet inverse, qui sont passés de l'homme à l'animal. Alors un bel exemple d'agent infectieux qui est probablement passé de l'animal à l'homme, c'est le virus de la rougeole. Le virus de la rougeole, c'est le même virus que le virus de la peste bovine. Alors, la peste bovine, elle est connue depuis très longtemps. C'est une maladie qui a été éradiquée de la surface du globe. Il n'y en a pas tant que ça, hein, des maladies animales. En 2011, la FAO et l'OIE reconnaissent la disparition de cette maladie. Ça veut dire que le virus, ce virus ici, qui est un morbivirus de la peste bovine, a disparu. Mais ce virus, il est probablement passé, à la faveur de cette proximité dont j'ai parlé tout à l'heure lors de la domestication, à l'homme. Il est passé sous une forme qui est un petit peu différente, mais qu'on appelle la rougeole. Et par contre, le virus de la rougeole, lui, il n'a pas disparu. Donc ce virus, quelque part, il s'est adapté. On a fait une pression pour l'éradiquer chez l'animal, avec des campagnes panafricaines d'éradication de la peste bovine. Hein. Donc ce virus a disparu. Par contre, ce virus, il continue de circuler sous une autre forme, chez l'homme. Et là, alors ça, c'est des résultats de 2011. Donc là, on était avant qu'on incite les gens à vacciner contre la rougeole. Et on avait pas mal de cas de rougeole qui repartaient. Bon, à l'heure actuelle, ça s'est calmé. Mais vous voyez qu'il y a même en Europe, hein, du côté de la Bulgarie et de la Roumanie, là, on a encore pas mal de cas de rougeole. Donc c'est, sachant que c'est une maladie mortelle. Hein, on la met dans les maladies infantiles, mais on a eu des cas même en France, une fille de 14 ans qui est morte il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ce n'est pas une maladie totalement bénigne. Hein. La rougeole dans le monde, vous voyez ce grand axe-là, entre l'Asie, l'Afrique centrale et puis l'Amérique latine, et on pourrait dessiner ce grand axe oblique que je dessine sur une map monde, vous verrez qu'il y a tout un tas de maladies pour lesquelles on va pouvoir le retrouver. Donc si on se résume, on a un virus animal qui a été éliminé, et on a... Vous voulez que ça avance plus vite, peut-être ? Non ? Principalement par vaccination. On a vacciné tous les bovins de la planète. Ça a été vraiment un très, très grand programme de vaccination internationale contre la peste bovine. Et on a fini par éradiquer ce virus. Mais ce virus, il s'est adapté, quelque part, à une autre espèce, à l'homme. Et on l'a vu repartir. Et il est toujours bien présent sur Terre, hein, je vous l'ai montré. Alors là, on est dans un cas presque inverse, c'est-à-dire que là, c'est une bactérie, une mycobactérie de l'homme qui est passée probablement chez l'animal. Alors la tuberculose humaine, elle est connue depuis très longtemps. Dans la mesure où il y a des formes osseuses, eh bien, on la retrouve dans les sites archéologiques. Donc depuis plus de 70 000 ans, on atteste de la présence, donc on est bien avant la domestication de l'animal. On la connaît. Mais chez l'animal, c'est assez récent. Et en fait, la tuberculose bovine, qui est due à une bactérie très voisine, hein, c'est Mycobacterium tuberculosis chez l'homme et Mycobacterium bovis chez les bovins, eh bien, elle est encore largement présente dans les cheptels animaux, hein, aussi bien chez les bovins que chez la faune sauvage. Hein. Là, vous avez la carte donc du 31 décembre 2020, donc c'est pas très, très ancien, hein, cette affaire-là, de la surveillance programmée en élevage de zones qui ont donné
des animaux positifs à la tuberculose bovine, hein, dont vous voyez en France, il en reste. Là, vous avez la décroissance de ces foyers déclarés en 2020. Alors, on démarre ici en 1995 et on voit que progressivement, jusqu'aux années 2005, ça a diminué, puis ça a réaugmenté un petit peu et c'est peut-être en phase de stabilisation. Alors, on a ici deux taux, la prévalence et l'incidence. Je vous ai dit que vous étiez tous devenus des petits épidémiologistes en l'air. Je vais quand même vous redéfinir ça. La prévalence, c'est le nombre de cas d'une maladie, tous les cas confondus, que ce soit des récents, des anciens, hein, dans une maladie. Alors que l'incidence, on va dire, c'est le nombre de nouveaux cas à un instant donné. Alors c'est bien ça, c'est bien sûr ça qui est le plus intéressant pour voir l'évolution d'une maladie. Parce que la prévalence peut être forte, mais s'il n'y a plus de nouveaux cas, ben ça va se résoudre gentiment avec le temps. Par contre, si l'incidence continue d'être forte, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas continue d'être important, eh bien, la maladie est en phase de croissance. Donc ça se compte pour 100 000 habitants. Là, je crois que vous avez tous compris que c'est comme ça qu'on en parlait. La tuberculose humaine, on est en France à l'heure actuelle à 9,6 cas pour 100 000 habitants. Donc ça fait une prévalence qui n'est pas énorme à l'échelle de la planète, hein. À l'échelle de la planète, voilà encore ce grand axe, hein, voyez, avec des zones pour lesquelles, en bleu foncé sur cette carte, ou en vert foncé, je ne vois pas trop la couleur, mais où on est à plus de 500 cas pour 100 000 habitants de prévalence, hein, en Afrique du Sud, ici, par exemple, ou en Afrique centrale. Donc vous avez encore des zones où cette tuberculose est très, très importante. Ce qui fait que cette maladie, elle est passée de l'homme à l'animal, mais elle reste présente dans les deux espèces. Alors chez l'animal, la transmission se fait dans la faune, par la faune sauvage principalement, le cerf, le sanglier, les cervidés, les blaireaux aussi, hein. Donc il y a un centre d'épidémie en Dordogne par exemple, ils ont une surveillance des blaireaux pour voir où on en est en termes de tuberculose bovine. Et la rage, c'est un bel exemple aussi de maladie où le virus est probablement passé, alors de longue date, hein, des insectes aux chiroptères, donc aux chauves-souris, des chauves-souris qui sont des mammifères à des mammifères terrestres, et ensuite des mammifères terrestres à l'homme. Alors, à l'heure actuelle, la grande source de contamination de rage sur Terre, ce sont les chiens errants à l'échelle de la planète. Nous, vous savez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on vaccinait encore contre la rage vulpine, c'était les renards dans les forêts, etc., dans l'est de la France. Il y avait des séances de vaccination qui se faisaient avec des petits poussins qui avaient du vaccin qu'on balançait par hélicoptère, hein, histoire de faire des zones très vastes. Mais la forme vulpine était très, très liée à l'ouest de l'Europe. Alors qu'au niveau international, c'est vraiment le chien errant qui transmet cette maladie. Alors, en France, à l'heure actuelle, on a eu quelques cas, très ponctuel. Il y a eu un cas exceptionnel en France de transmission de la rage par la chauve-souris qui a été décrit en août 2019. Un cas de rage qui a provoqué le décès quand même du patient en Nouvelle-Aquitaine. Hein. C'est très très exceptionnel puisque, à titre d'indication, en France, c'était le deuxième cas depuis 1924 de personnes qui mouraient de la rage. Donc vous voyez que ce n'est pas non plus quelque chose qui arrive tous les jours. Mais par contre, ça veut dire que les chauves-souris hébergent ce lyssavirus, ce virus à tropisme nerveux. Là. Et faites attention, hein, si vous trouvez une chauve-souris morte, commencez pas à mettre la main dessus, n'y touchez pas. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Hein. Donc, alors, on a... Au niveau international, en Allemagne, par exemple, le 20 septembre 2021, c'est il n'y a pas longtemps, hein, c'est il y a quelques mois, les autorités sanitaires ont notifié un cas de rage à Brême, hein, de la rage canine, qui a été confirmée sur un chiot adulte de 8 semaines qui a été importé illégalement de Turquie. Donc dans des zones où il y a encore la rage au niveau international. Regardez, pour simplement, j'ai retenu les chiffres récents de 2016 jusqu'à 2020. Une chauve-souris infectée par le lyssavirus de la rage, là, de type 2, en Finlande, en 2016. En Belgique, encore une chauve-souris en 2016. En Suède, encore une chauve-souris en 2016. Donc, vous voyez, la chauve-souris transmet pas mal. En Afrique du Sud, des cas de rage. Premier décès humain aux États-Unis en 2018. Royaume-Uni, un homme décède de rage mordu par un chat qui provenait du Maroc.
etc., etc. Donc, une maladie qui reste sous surveillance au niveau international, avec ce grand axe dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on retrouve pour la tuberculose, qu'on retrouve ici pour la rage, donc qui va de l'Asie à l'Afrique, mais là, l'Afrique est largement endémique, et l'Amérique centrale, l'Amérique latine, pardon. Donc là, on a de nombreux variants, beaucoup de cas humains, et je vais terminer, si vous me laissez encore un petit quart d'heure, ça va, c'est pas trop, ça vous... Bon, je voulais parler de quelques grandes maladies, la vache folle, la fièvre aphteuse, le SRAS, le MERS, et puis la grippe, j'en ai déjà parlé, donc je passerai, et finir par le Covid. Alors, la vache folle, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que on est sur un agent pathogène qui n'a rien à voir avec tous ceux dont j'ai parlé jusque-là. On est sur un prion. C'est une crise sanitaire qui démarre en 1986 en Angleterre, qui finit dans les années 2000, on va dire, et qui pose un gros problème, c'est que l'agent pathogène est d'abord très résistant, grand 1, le prion, et le deuxième point, c'est que l'animal ne contracte la maladie que très tardivement, plusieurs années après avoir reçu ce prion. Donc vous imaginez qu'avant de faire le... On est un petit peu comme tout à l'heure avec mon histoire de peste zoonotique. Hein, le temps que vous compreniez qu'il y a quelque chose qui se passe et que les animaux meurent bien de ça. Alors ce prion, c'est une protéine. On n'est pas sur un acide nucléique, c'est pas de l'ADN, c'est pas de l'ARN comme le Covid. Là, on est sur la protéine elle-même. Donc c'est super résistant. Je vous ai mis les températures. 133 degrés pendant 20 minutes à 3 barres de pression pour tuer un prion. Juste à titre d'information, parce que vous ne savez peut-être pas tous... que dans une cocotte minute, un autocuiseur, on atteint 1,7 à 1,8 bars. On est loin des 3 bars qu'il nous faut. Et la température commence à bouillir, puisqu'il y a de la pression, à 120 degrés. On est loin des 133 degrés qu'il nous faut. Pour... Donc ça veut dire que même votre viande, votre pot-au-feu, là, que vous vous laissez dans la cocotte minute en se disant, bah, quand même, on est dans une cocotte minute, ça ne suffit pas. Le prion, il va sortir nickel derrière. Donc vous comprenez que ce n'est pas par des mesures prophylactiques classiques qu'on va pouvoir y arriver. Là, il va falloir tuer l'animal et l'éliminer, mais par le feu. Enfin, là, si on est à des milliers de degrés, il n'y aura plus de problème. Mais le premier cas en France d'encéphalie spongiforme bovine, de SB, là, de vache folle, c'est le 28 février 1991. Donc vous voyez, premier cas en Angleterre, 86. Le temps que ça diffuse en Angleterre, que ça arrive en France, etc., et qu'on comprenne un peu ce qui se passe, il faut quand même attendre un certain délai. Alors, ça affecte le cerveau. Et voilà, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, finalement, comment a évolué la maladie au Royaume-Uni entre 87 et 2008. Vous voyez qu'on a un pic qui se situe autour de 1992-93, avec plus de 3000, près de 4000 cas de bovins atteints par année. Et puis, progressivement, on met en place les mesures sanitaires d'élimination des animaux et ça disparaît. Et là, on a fini par juguler tout ça. On a quand même la forme humaine qui est la maladie de Creutzfeldt-Jakob qui est passée. Donc, on a certains pays en vert clair ici où il n'y a que des cas animaux, et puis il y a en vert foncé les pays où les cas de cette maladie ont été vus. Hein. D'accord ? Alors, vous voyez que en termes finalement de mortalité humaine, c'est pas énorme. Par contre, en termes de mortalité animale, pas forcément non plus gigantesque, mais c'est en termes de coûts. La France, il y a eu 951 cas d'animaux touchés par la vache folle. On pourrait dire, c'est pas non plus dramatique. Hein. Mais pour éliminer la maladie, je vais vous donner les coûts. Hein. On est en gros à 560 millions d'euros par an de mesures prophylactiques qu'il a fallu mettre en place rien que pour cette maladie. Hein. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, 288 millions de livres sterling d'argent public qui sont alloués pour éliminer tout ça. Donc c'est des maladies qui, alors d'abord, étaient potentiellement transmissibles à l'homme, donc zoonotiques, qui avait des délais de transmission très longs sur l'animal, mais encore plus longs chez l'homme. C'est-à-dire qu'on est sur 10, 15, 20, 30 ans peut-être avant que la maladie ne se déclare chez l'homme, la Creutzfeldt-Jakob. Donc vous imaginez que si on avait attendu qu'il y ait un problème humain, un problème épidémique humain,
eh bien, ça pouvait être dramatique. On pouvait se retrouver. Donc, il a fallu arrêter tout ça. Au Royaume-Uni, en 2001, ils ont eu pour 13 milliards d'euros de dégâts sur leur économie. Hein, donc, ça, c'est pas négligeable non plus. Hein. Vous voyez tous les points où la maladie a été détectée. Et ils ont des charniers entiers, là où ils faisaient tous les bovins, ils les tuaient, ils les bombardaient d'antiseptiques, et puis ils les brûlaient, il n'y avait plus le choix. Hein. Donc c'est des maladies, on va dire, avant tout économiques. Alors là, je passe à la fièvre aphteuse. Oui, d'accord. La fièvre aphteuse, donc, qui, elle, a comme gros problème d'être hyper contagieuse. Et surtout... De ne pas pouvoir exporter les animaux dans un pays qui est atteint de cette maladie. Alors, bon, vous en souvenez souvent, certainement en 2001, là, on avait ces images qui nous arrivaient d'Angleterre, là où ils avaient ces charniers d'animaux qui faisaient brûler pour les éliminer. De la même façon, alors là, on est sur un virus très contagieux, mais à partir du moment où on a mis en place des mesures prophylactiques, vous voyez cette courbe en cloche, là. Bon, bah, on a énormément d'animaux, on met en place les mesures prophylactiques et ça redescend. Ça, c'est pratiquement calcable sur toutes les maladies virales, je dirais, classiques. Le chikungunya, vous pouvez pratiquement calquer exactement cette courbe en cloche. Le gros problème, c'est bien sûr, on l'a dit, le fait que cette maladie soit hyper transmissible, en plus à tout un tas d'animaux d'élevage, les bovins, les porcs, les chèvres, les moutons. Donc le virus dure très longtemps dans le milieu ambiant, 50 jours dans l'eau, 74 jours dans les pâturages, etc. Je vous ai mis tous les temps où il peut résister. On peut se contaminer par l'air, par le sperme, les urines, etc. À titre d'indication... Il se propage par voie aérienne sur un rayon de 10 km, donc c'est énorme, hein, la fièvre aphteuse. Et on a même vu, avec des vents et des conditions d'humidité favorables, 280 km, c'est-à-dire entre l'Angleterre et la France, ce virus qui est capable de passer le Channel, passer la Manche. Donc ça veut dire que là, on n'est plus sur le... sur notre petit Covid où là, 10 mètres nous suffisent pour ne pas nous contaminer. Là, on est sur des kilomètres et des kilomètres, hein, où ce virus peut vraiment contaminer énormément de monde. Bon, je passe très vite. La situation en France, normalement, on est indemne de cette maladie. Et même s'il y a eu des épisodes très ponctuels, on est épargné. Ce qui fait qu'on est en vert sur cette carte. En vert, ce sont les pays indemnes de fièvre aphteuse qui vont pouvoir exporter des animaux ou importer des animaux sans problème. Les autres sont des maladies où il y a des zones infectées. Alors, vous voyez, par le sérotype O, A, Asia 1, SAT 1, SAT 2, SAT 3, donc on a tout un tas de... c'est des virus qui mutent. Hein, ça, maintenant, tout le monde sait que ça mute, un virus. Ben, vous en avez un bel exemple ici. Et je termine par les coronavirus. Alors, le coronavirus, tout le monde connaît maintenant. C'est bien sûr celui qui va nous intéresser, c'est le SARS-CoV. Pourquoi SARS ? Parce que syndrome aigu respiratoire sévère. SARS, syndrome aigu respiratoire sévère. CoV, pourquoi ? Parce que Covid et V pour virus. Donc, c'est le virus du Covid qui provoque un syndrome aigu respiratoire sévère. On en connaît à l'heure actuelle... On connaît trois virus qui ont donné des épidémies importantes. Le premier, en 2003, celui du milieu ici, c'est le SARS-CoV-1. Ce SARS-CoV-1, il a été identifié en 2003. Les premiers humains infectés en Chine en 2002. Il y a eu près de 650 morts en Chine et à Hong Kong entre 2002-2003. Hein. L'origine, chauve-souris. Alors, je vous en parlerai tout de suite, juste après. Hein. Ça, c'est le SARS-CoV-1. Le SARS-CoV-2, je ne vous le présente pas, vous le connaissez, c'est notre Covid-19, c'est celui de droite. Hein. Il était appelé à l'époque, sur ce petit flyer, nouveau coronavirus 2019. Hein. Et puis, on a le MERS-CoV, donc ce coronavirus qui est apparu au Moyen-Orient, lui, identifié pour la première fois en Arabie Saoudite en 2012, qui a fait plus de 800 morts. Et qui partirait probablement, qui serait, je mets quand même du conditionnel, des dromadaires, et qui serait passé des dromadaires à l'homme. Donc vous voyez, encore de l'animal à l'homme. Hein. Alors je règle son compte à ce coronavirus, le MERS, là, ici. Vous voyez qu'il est resté localisé
principalement donc au Moyen-Orient. Il est passé un peu en Malaisie, il est venu un peu en Europe de l'Ouest. Il y a eu dans le monde 243 cas, donc c'est pas énorme, 93 morts humains. C'est toujours de trop, mais ça n'a rien à voir avec l'autre coronavirus dont on va parler pour finir. Là, on est sur des virus, on va dire, qui ont une mortalité importante, mais par contre, la transmission entre humains, la chaîne a pu être coupée assez vite. Hein. En général, comment ça se passe? Vous avez un animal hôte qui est souvent la chauve-souris. Alors, les chiroptères ont cette faculté de vivre en groupe, donc ils transmettent leurs agents pathogènes sans problème, ils se collent les uns aux autres. Ils sont dans une niche écologique qui est totalement séparée des autres mammifères et ils hébergent tout un tas de virus avec une immunité très très forte qui fait que, en général, eux ne sont pas malades, mais ils vont transmettre, vont inoculer ces agents pathogènes. Ensuite, ils vont le passer, je vous ai dit, soit à la civette pour le SRAS, soit au dromadaire pour le MERS, ils vont le passer à un autre mammifère. L'homme, en mangeant la viande de ces mammifères ou en étant à proximité de ces mammifères-là, va le récupérer. Et puis, ensuite, ce virus qui aura muté va pouvoir passer d'un homme à un autre homme. Voilà le processus classique qui est décrit. Pour le SRAS, il est quand même, en 6 mois, il est quand même passé dans une trentaine de pays. Donc, vous voyez que ça a eu une importance économique importante, hein, bien sûr. Mais voilà la courbe du SRAS, vous voyez, en 2003. On a un pic épidémique là en avril, un second au mois de mai, mais une courbe en cloche pratiquement entre avril et mai, et ensuite il disparaît au mois de juillet 2003. Donc on a un virus, on va dire, un peu classique, même si c'est un coronavirus, hein, d'accord ? C'est le SARS-CoV-1. Et par contre, il a eu le temps, vu sa contagiosité, de passer partout sur Terre. Hein. Il est parti de Chine, il est arrivé aux États-Unis, il est arrivé en Australie, il est arrivé en France, il est arrivé en... Et alors, on voit qu'il s'est arrêté. Alors pourquoi ? Parce qu'on a mis en place des mesures prophylactiques, des mesures sanitaires, qui sont celles que vous connaissez hein, tous. Mais quelle était la grande différence par rapport au Covid-19 ? Parce que quand on voit ça, on se dit ben, ça n'a rien à voir avec le Covid-19. Hein. On a eu 437 cas signalés en France et je crois qu'il y a eu un mort. Donc pourquoi est-ce qu'il s'est... Alors que c'est un coronavirus, et pourquoi on a réussi à l'éradiquer, alors que pas les autres? Eh bien, en fait, parce que le SRAS n'est contagieux qu'après l'apparition des symptômes. Et ça change totalement la donne. Parce que vous n'avez pas cette période là où les gens peuvent être porteurs sains et transmettre à toute la maisonnée sans le savoir. Ça change totalement la donne. Les gens... À partir du moment où ils sont malades, ils transmettent. Mais là, vous commencez à les isoler. Vous vous dites, attention, toi, t'as quelque chose, je vais pas m'approcher de toi. Sauf qu'avec le Covid-19, quand vous faites ça, c'est déjà bien trop tard. Ça fait peut-être 15 jours qu'on est en train d'en mettre partout. Donc là, avec ce coronavirus-là, on a été capable, en peu de temps, vous avez vu, en une année, là, de l'éradiquer. Hein. Alors, heureusement, j'ai envie de dire. Parce que, par contre... Le nombre de morts que provoquait le SRAS par rapport au Covid-19 était 10 à 20 fois plus élevé. Il était super mortel. Donc 10 à 20 fois plus mortel. Donc heureusement que ce n'est pas ce virus-là, ce coronavirus-là, qui est celui qu'on a en ce moment à l'échelle de la planète, parce que là, on serait mal. Hein. Ah non, parce que ça, quand on voit la grippe espagnole, elle tuait beaucoup, mais elle était très contagieuse, hein, ça ne l'a pas empêché de tuer. Non, là c'est vraiment lié au fait que les mesures sanitaires sont super efficaces à partir du moment où il n'y a pas de période, on va dire prépatente, de période où vous êtes porteur sain. Là. Cette période, elle est totalement... Cette période d'incubation où vous êtes contagieux, parce qu'une période d'incubation, on l'a forcément dans le SRAS, mais vous n'êtes pas contagieux. Donc, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est plus gérable. Et surtout, à partir du moment où on voit que vous avez les symptômes, on vous isole et on arrive à endiguer le phénomène. Là, en ce moment, il y a certainement plein de gens qui diffusent la maladie, mais qui n'en savent rien. Et c'est ça le gros problème du Covid à l'heure actuelle. Donc, le Covid à l'heure actuelle, ça, ce sont des chiffres du 8 décembre 2021. Quand j'ai préparé la conf, hein, jeudi dernier, pour rien vous cacher, ça a augmenté un petit peu, mais on avait 268 millions de cas
attestés sur la Terre. Et il y avait eu 5 280 000 morts sur Terre. Donc vous voyez qu'on y va gentiment, mais on commence à avoir des maladies qui sont de l'ordre de celles dont on parlait tout à l'heure, à l'histoire des maladies. Hein. En France, 8 millions de cas avérés, je crois qu'aujourd'hui c'est 126 000 morts, et pas 121 000 morts. États-Unis, 49 millions, 32 millions, 22 millions, etc. Je crois que c'est un signe qui ne trompe pas. On va me dire d'arrêter bientôt. Non, j'en ai vraiment... J'ai deux diapos. Hein. Voilà les nouveaux cas. Et voilà surtout... Ça, je trouve que... Ça, on ne le voit pas assez encore. Vous entendez parler des vagues. Pic 1, pic 2, pic 3, pic 4, pic 5, ce sont les vagues, hein, dont tout le monde parle à l'heure actuelle. Mais très peu l'ont montré. En fait, moi, je trouve que c'est intéressant quand même de voir ce coronavirus, comment on a réussi par des mesures prophylactiques à l'endiguer à un maximum. Alors, ce qu'on voit par contre, c'est que la trajectoire entre le pic 1, le pic 2, le pic 3, le pic 4, elle allait vers la fin, là, en 2022. Or, elle n'y va pas. Pour au moins deux raisons. La première, ce sont bien sûr les nouveaux variants, parce que là, on se remet du variant Delta là-dedans, c'est notre pic 5. On se remet du variant Omicron, ça va être notre pic 6 dans deux mois, hein, ça c'est évident, on n'y loupe pas. Donc ça, c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène, je pense que la vaccination n'a pas été à son terme. On serait 100% de vaccinés en France à l'heure actuelle, on serait pratiquement à zéro sur le pic 5. Hein. Donc là, il y a les enfants. Alors on en pense qu'on veut, ils sont transmetteurs, ils diffusent la maladie. Et il y a bien sûr les personnes qui ne se font pas vacciner. Bon, après, moi j'ai envie de dire... une politique sanitaire, ça ne se définit pas au niveau individuel. Ça se définit, vous l'avez vu, au niveau d'une population. Et là, ça se définit même au niveau d'une population mondiale. Qu'est-ce qui va se passer au niveau mondial? Voilà ce qu'on a. Vous avez, donc au 8 décembre 2021, vous aviez 7974 décès par jour au niveau mondial. Hein, donc, et vous aviez... une pandémie qui est loin d'être sur la phase descendante dont j'ai parlé pour la France, au niveau mondial. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... puis je vous parlerai juste pour terminer, je reviendrai à ça après. Ça veut dire qu'on est typiquement, dans la notion dont j'ai parlé tout à l'heure, d'endémo épidémie. C'est-à-dire que dans nos pays, on sera sous des formes de crise aiguë, de pic et d'épidémie, on va dire. Mais au niveau mondial, ça restera endémique dans certaines régions. Quand vous savez qu'un des pays les plus peuplés d'Afrique, le Nigeria, est un taux de vaccination de moins de 0,1%, eh ben vous vous dites que ce n'est pas prêt de disparaître de l'Afrique, cette maladie-là. D'accord ? Donc ça nous reviendra en boomerang, hein, évidemment, à droite, à gauche, et ça repartira. Alors pour terminer, puisque quand même j'oublie pas que c'était sur l'histoire de la maladie des animaux... que penser du Covid-19 et de la transmission à l'animal ou par l'animal? On a la chance, c'est pour ça que j'ai mis un grand H et un petit A, que l'animal est très peu touché et l'animal est encore moins vecteur. Donc, alors, à part au départ, hein, dont on a parlé tout à l'heure pour la chauve-souris, mais ça s'est fait une fois, il n'y a pas besoin que ça se fasse 5000 fois. Hein. Une fois que c'est fait, c'est lancé et ça diffuse d'homme à homme. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, je vous l'ai sortie, à l'université du Minnesota, là, assez récente, sur 234 chats et 510 chiens, qui prouve qu'en gros... Moins de 1% des chiens étaient porteurs du virus et 8% des chats. Alors, c'est même plus précis ça, c'est pas porteur du virus, c'est avait développé des anticorps, donc avait rencontré le virus et avait lutté contre le virus. Donc c'est relativement faible. On a le sentiment quand même que le chat transmet un peu plus que le chien. Hein. Si vous regardez ici, en termes d'animaux... qui ont été infectés par le Covid. Bon, le vison, vous le savez, hein, vous avez entendu parler des 15 millions de visons euthanasiés au Danemark, là. Visiblement, il transmet aux autres visons, mais, et c'est pour ça que c'était si dangereux, vous voyez dans ce petit tableau, il peut transmettre à l'homme. C'est le seul animal pour lequel, dans ma liste ici, on a une transmission à l'homme qui soit avérée. Hein, donc là, les Danois ont... On fait œuvre d'éviter que ça puisse se transmettre à l'homme. Ils ont supprimé tous les visons. Alors, oui, mais il n'y avait qu'eux qui en avaient. Hein. Donc pour l'instant, alors bon, si ça repart ailleurs, il faudra faire pareil, j'imagine. Hein. Alors ensuite, le chat, vous voyez, il a été, on en a trouvé qui sont infectés, mais il transmet à d'autres chats, a priori. On n'a pas de cas à l'homme. Le chien,
On en a trouvé avec qui a été infecté, mais pour l'instant, il transmet à personne. Le furet, oui, transmis à d'autres furets. Ensuite, les grands félins, le tigre, le lion, le cougar, léopard, des neiges, etc. Oui, il transmet aux autres grands félins. Pour l'instant, alors vous me direz, on ne croise pas tous les jours non plus des panthères des neiges, sauf dans les films. Le gorille, oui, à d'autres gorilles. La loutre, oui, on ne sait pas qui peut transmettre. On n'a pas de données là-dessus. Campagnol, roussate, oui, mais il ne transmet pas. La grande chauve-souris, alors on l'a testé, vous doutez qu'on teste les chauves-souris dès qu'on en trouve maintenant. Donc on n'a pas trouvé de chauve-souris brune, de grande chauve-souris brune qui en a et ne transmet pas. La souris sylvestre, oui, et transmet à d'autres souris sylvestres. Donc vous voyez, pour l'instant ça a l'air, quand c'est sur l'animal, de rester chez l'animal. La roussette, oui, à d'autres roussettes. Les primates, oui, ça dépend selon les espèces. Le cerf de Virginie, oui, à d'autres cerfs. Donc pour l'instant, si on se résume, l'animal est contaminant pour d'autres animaux de façon très ponctuelle, mais très peu pour l'homme, hein, peut-être le bison. Donc voilà, je voulais vraiment terminer par ça, par une note d'espoir quand même, hein, c'est que pour l'instant, je vous ai dit, à l'échelle de l'humanité, on n'a pas vu de maladie qui, à un moment donné, n'est pas fini par disparaître. La difficulté de cette maladie-là, c'est bien sûr cette période où on peut infecter des gens alors qu'on ne se sent pas malade ou qu'on n'est pas malade du tout. Donc ça, c'est difficile à gérer, parce qu'il faudrait tester tout le monde tout le temps. Donc là, on ne s'en sort pas. Ou il faudra arriver peut-être un jour à vacciner tout le monde. Et je disais tout à l'heure, ça sera mon mot de la fin, qu'une politique sanitaire, ça ne se mène pas à une échelle individuelle, ça se mène à l'échelle d'une population. Vous avez vu que mes courbes, elles n'ont de sens que pour l'ensemble de la population. Quand j'entends parfois des gens me dire « Ah oui, mais c'est une atteinte à ma liberté », j'ai envie de dire « C'est pas une atteinte à ma liberté, moi, de vivre avec un masque jour et nuit, de ne pas pouvoir aller où je veux, de pas, et puis que l'économie se casse la figure ou qu'on soit sous cloche. » C'est quoi, ça? Donc, la liberté des uns s'arrête où celle des autres démarre. Hein, ça, c'est bien connu. Et surtout, faudra peut-être un jour réfléchir à l'échelle mondiale, réfléchir à une pandémie à l'échelle mondiale. Parce que là, on regarde quand même par le petit bout de la lorgnette. Hein. On regarde pour l'instant des pays développés qui sont capables de se payer le vaccin. On en donne, pour se donner bonne conscience, quelques-uns aux pays du tiers-monde. Et puis, le reste, ils ne sont pas vaccinés du tout. Donc on va faire, c'est ce que je disais, cette notion d'endémo-épidémie. On va faire des zones où il y aura la maladie de façon endémique. Je vous ai montré, hein, des maladies qui sont de façon endémique sur Terre, des pestes, des tuberculoses, des rages, des tout ce que vous voulez, on en a tant qu'on veut. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est-à-dire qu'il y a des pays qui aient non seulement la rage, la tuberculose, mais en plus le Covid, qui nous le ramènent de temps en temps, et puis que nous, on soit tranquille dans notre coin. À voir. Ça se discute. Hein, on voit aussi, je pense, par cet exposé, qu'il n'y a pas l'homme d'un côté, il n'y a pas l'animal de l'autre. Hein. Faut vraiment qu'on gère ça, les médecins, les vétérinaires ensemble, parce que cette maladie, elle nous arrive de l'animal, et elle cause des dommages chez l'homme. Très peu chez l'animal. Finalement, le Covid-19 chez l'animal, vous avez vu ma liste, c'est pas grand-chose. Hein. C'est pas une grosse maladie pour un vétérinaire, le Covid-19. Hein. C'est pas parce qu'il y a 8% des chats qui ont eu des anticorps et qui peuvent potentiellement le transmettre à un autre chat. On n'a pas vu de cas qui le transmettait à l'homme. On va pas en faire un fromage, hein, d'accord? Donc, voilà. Et on a vu à l'inverse des maladies qui passaient de l'homme à l'animal tout à l'heure. Je vais vraiment arrêter parce que là, je déborde de trop. Merci.